Monsieur Tolaba, bienvenue dans le débat sans frontières, mon cher. Très content de te voir. Merci. Avant de commencer d'abord, présentez-vous. Ça, c'est le respect des nouvelles personnes. On sait que beaucoup de Guinéens vous connaissent, presque tous les Guinéens. Donc, je vais vous laisser vous présenter, mon cher. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين اماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد avant tout d'abord je commence par te remercier toi Mahdi sans frontières Mamadi qui n'est pas le LMD de la présidence mais toi aussi derrière dans ton petit château là-bas merci pour l'invitation nous disons aussi merci à tous nos abonnés des deux pages des trois pages d'ailleurs Hakil Famu et Pinal ensuite à Todi Moncatola et ta page Mahdi sans Je ne sais pas pourquoi tu as levé la frontière, mais on le saura tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens nous entendent très bien. Il est de coutume que je demande si les gens nous entendent. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas en train de parler dans le vide. Est-ce que là, je vais regarder un commentaire. OK, on nous dit que le son est bon. Voilà, présentation, c'est Tola. Tola-ba. Au niveau de mon compte personnel, c'est écrit Tola Chuchal, qui veut dire Tola, tu auras courage. Je ne vais pas donner mon prénom parce que là, je garde ça. Vraiment, ça va être un quiz, même si beaucoup de personnes connaissent qui je suis. Je suis un activiste comme toi. Nous sommes aujourd'hui suivis par de millions de personnes en Guinée et au-delà de nos frontières. Nous sommes des panafricains. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que tu rejoins aussi pour t'avoir pratiqué. Nous sommes dans ce combat de lutte pour l'instauration d'une véritable démocratie, une lutte contre l'injustice, l'arbitraire. Nous nous battons pour que la Guinée soit celle dont a parlé Tshernomoné Nembo, une famille. Donc aujourd'hui, je suis chez toi, je me mets à ta disposition et je sais que toi aussi, tu m'as fait beaucoup d'éloges, mais je sais que toi aussi, tu es un jeune d'ailleurs que j'ai suivi avant que je ne vienne dans les réseaux sociaux parce qu'il convient de signaler que je suis moi nouveau, je suis un novice par rapport à vous. Vous qui avez fait le combat et nous, nous ne sommes que le relais ou peut-être la relève ou l'appui qui venons vous appuyer. Donc, c'est à tout ton honneur et merci pour cette invitation. Merci, merci, M. Tola. Merci. Le plaisir est partagé, mon frère. Vous êtes l'invité aujourd'hui, M. Tola. On va parler du président de la transition en toute sincérité, en se donnant des idées, en donnant des propositions. Comme on sait, notre but, c'est de faire un changement dans ces pays. Notre engagement, c'est pour l'unité nationale et c'est l'intérêt de la Guinée. On va parler aussi de l'implantation du CENI. On va bien parler et décortiquer et donner nos opinions là-dessus. Et s'il faut, proposer aussi nos solutions. Et notamment, on va parler aussi de l'histoire, M. Tola. Je pense que on finira par l'histoire et on va parler aussi la perception vraiment de tout un chacun à l'égard des partis politiques aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à travailler ensemble, qui n'arrivent pas à vivre ensemble vraiment. Donc, Monsieur Tola, bienvenue dans le débat M sans frontières, un débat pas de tabou, Monsieur Tola. Débat sans frontières, c'est le débat, l'un des plus vieux débats des réseaux sociaux qui donne la liberté d'expression dans le respect, en harmonie. Et vraiment, c'est des débats constructifs, sans émotion. On parle ici très sincèrement, Monsieur Tola. Monsieur Tola, la balle est dans vos camps. Quelle est votre perception à l'égard du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et dernièrement, vous étiez en accord avec les actes du président de la transition, M. colonel Mamadi Doumbouya. M. Tola, très sincèrement, on aimerait vous écouter aujourd'hui et faire un débat là-dessus vraiment, afin qu'on donne notre grain de sel, qu'on apporte notre grain de sel à la transition, et même s'il faut au président de la transition. On vous écoute, mon cher. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très pertinente.
très difficile à répondre, mais à laquelle je veux m'aventurer. D'abord, je voudrais préciser que, effectivement, le soir du 5 septembre 2021, je fus l'un de ceux-là qui avait salué ce coup d'État, parce que c'était quand même arrivé à un moment où les Guinéens étaient bâillonnés. Nous étions dans un gouffre, le pays était en train d'être à la dérive et tout le monde se posait la question à quand le salut. Donc, cette matinée du 5 septembre, il y a eu ce coup d'État. Nul besoin de m'étaler là-dessus, mais ce qui convient, c'est que j'avais même fait une vidéo ce soir-là en m'adressant à ce jeune général, à ce jeune colonel à l'époque qui avait surpris tout le monde et que moi, j'ai découvert la première fois lors du défilé du 2 octobre en 2018, mais que j'ai retrouvé aussi ce jour-là à faire sa déclaration. Sa déclaration était vraiment une déclaration qui donnait de l'espoir. Son arrivée était une arrivée, surtout, il convient de le signaler, il avait lancé un appel particulier à la diaspora. Et moi, ce soir-là, les vidéos existent, j'avais répondu à son appel doublement. D'abord, il avait appelé les Guinéens, donc à ma qualité de Guinéen, j'avais répondu à son appel. Ensuite aussi, à ma qualité de personne de la diaspora aussi, j'avais émis ma disponibilité, mon soutien et aussi mon accompagnement au chantier qu'il était en train d'entreprendre à l'époque. Plus de 4 mois après, aujourd'hui, est-ce que j'ai le même sentiment que ce jour-là? Non, je n'ai pas le même sentiment. Est-ce que c'est une raison pour dire qu'aujourd'hui, il n'a plus mon soutien? Non, non plus. Ce qui veut dire, même s'il y a une certaine ambiguïté dans ce que je suis en train de dire, mais il convient de faire la différence entre l'homme et ses actes. Monsieur Tola, c'est ça l'harmonie du débat sans frontières, en parlant à chaque petit mot qui est l'étincelle. C'est parfois, en parlant, il y a des mots qu'on aimerait savoir. Monsieur Tola, très sincèrement, c'est quoi l'élément déclencheur qui a mis des doutes aujourd'hui, vraiment chez vous, concernant Mamadi Doumbouya? Quel acte Mamadi Doumbouya a posé aujourd'hui, vraiment, que vous avez commencé à avoir des doutes à ce monsieur-là? Voilà, j'espère que vous avez mis le mot acte avec S à la fin, parce qu'il n'y a pas qu'un seul acte qu'il a posé, mais il y en a plusieurs qui m'ont amené d'abord à douter de la sincérité ou de l'objectivité de la réussite de sa mission. Et d'abord, je me rappelle qu'il avait dit que la Guinée, nous allons réécrire une nouvelle page de l'histoire ensemble avec tous les Guinéens. Mais à mon fort étonnement, il y a une charte qui a été rédigée dont on ne connaît pas du tout les auteurs. Une charte qui a été rédigée qui ne tenait pas compte des mémorandums qui ont été émis par les différentes structures qu'il avait rencontrées à la Palais. Là, je parle des rencontres, des toutes premières rencontres qu'il avait instaurées, qu'il avait pilotées au niveau du Palais. Ça, à mon avis, c'est un contraste par rapport à ce qu'il avait annoncé. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me rappelle, il avait dit pas de recyclage. Vous vous rappelez très bien de cette fameuse phrase qui avait d'ailleurs suscité beaucoup de doutes, qui avait été différemment interprétée. Mais à notre fort étonnement, encore au niveau des nominations, il y a eu du recyclage. Ensuite, il avait dit pas d'exclusion. Ça aussi, ce fut une de ses phrases qui a été différemment aussi interprétée aujourd'hui avec le développement le plus récent, et on en parlera peut-être au cours de ce débat. Cette constitution dont on a eu l'exclusivité d'avoir le contenu, qui parle d'un âge limite qui exclut certains leaders politiques. Ça aussi, c'est en contradiction avec ce qu'il avait promis. Ensuite, entre autres, s'il avait dit que la Guinée doit être réconciliée avec elle-même, avec tout le monde, grande fut notre surprise de voir qu'il a rebaptisé l'aéroport international au nom d'un président qui est à la fois le héros et le tyran. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les historiens, un historien en particulier qu'il avait nommé ainsi, j'oublie son nom. Donc, cet homme qui nous a conduit à l'indépendance, qui avait piloté, qui avait chapeauté ce mouvement pour que la Guinée accède à l'indépendance, c'est un héros, certes, mais aussi, sous son magistère, il y a eu des choses qui ne font pas du tout honneur au pays
et pour lesquels il fallait quand même attendre jusqu'à ce qu'on clarifie les choses. Mais à notre fort étonnement, il a baptisé, il a rebaptisé le nom de l'aéroport au nom de ce dernier. Personnellement, je n'ai rien contre. Et pour t'avoir, toi, pratiqué, je t'ai donné mes liens entre la famille Sékou Touré et la mienne. Donc, moi, n'est pas mon problème, mais mon problème, c'est au niveau de ces victimes qui estiment avoir été abandonnées ou n'avoir pas été écoutées, entre autres. Merci. Merci, M. Tola. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, vraiment, le mot recyclage. Je me souviens du mot, j'ai la vidéo du colonel Mamadi Doumbouya qui dit qu'il n'y aura pas de recyclage en Guinée. Mais là où moi je me suis posé des questions, aucun journaliste, aucun Guinéen n'a demandé au président de quel recyclage il s'agit. Donc, j'aimerais que vous me parliez. C'est que qu'appelle-t-on recyclage? Quelles personnes ou quelles sont les personnes qui ont été recyclées par M. Mamadi Doumbouya et pourquoi ces personnes sont des recyclées? On va vous écouter. Bon, allons d'abord, merci pour cette pertinente question. Allons d'abord sur la sémantique du mot recyclage. Qu'est-ce que cela signifie? Recycler un objet, c'est lorsque cet objet a été utilisé, il tendait vers sa fin de vie, mais parce qu'on peut toujours le réutiliser en le nettoyant afin qu'il ne se retrouve pas dans les déchets. On parle de recyclage. Entre autres, vous savez, ces boîtes de conserve que vous avez ou bien ces canettes de jus, lorsque vous buvez le contenu, on parle de recyclage. Ces sachets plastiques, lorsque vous finissez de les utiliser pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la nature et qu'ils polluent l'environnement, on parle de recyclage. Ainsi de suite. Le recyclage dans le paysage politique, à mon sens, peut-être que je me trompe, parce que, comme vous avez très bien mentionné, on aurait dû l'écouter pour savoir de quel recyclage il parlait. C'est lorsque ceux-là qui ont été utilisés dans le régime déchu reviennent. Ça, c'est mon avis. Il peut aussi s'agir de toute cette classe politique qui n'a pas été là. Son retour aussi, c'est un recyclage. Mais à mon sens, est-ce qu'il s'agit de faire table rase de tout le monde et de dire que nous allons partir avec des Guinéens neufs? À mon sens, c'est non, c'est pas possible. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, on ne peut pas du tout mettre tout le monde dans le même bateau ou bien considérer tout le monde, fouetter tout le monde avec le même fouet. C'est pas possible. Il y a un jugement de valeur qui doit être fait, qui consiste à trier les bonnes graines des mauvaises graines. Lorsque vous, par exemple, et revenons encore sur ce mot recyclage, lorsque vous avez du recyclage, il y a le recyclage papier, il y a le recyclage plastique. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prendre tout, mettre dans la même boîte lorsque vous êtes en train de faire votre tri. Parce que lorsque ces objets, justement, se retrouvent au centre de recyclage, il y a un tri qui doit se faire. Est-ce que le colonel a fait ce tri pour savoir de quoi il s'agissait? La réponse, je ne l'ai pas. Mais à mon fort étonnement, j'ai vu, par exemple, des personnes issues des institutions dissoutes qui ont été recyclées. Ça, c'était une contradiction pour moi. C'était, pour moi, un non-sens, parce que s'il fallait faire un recyclage, peut-être, c'est de revenir avec ces Guinéens, mais qui ont quand même une probité, ces Guinéens qui n'ont pas du tout trompé la patte, ou bien qui n'ont pas les mains sales. Mais lorsqu'on fait recours à des personnes controversées, pour moi, ça, c'était du recyclage. Maintenant, oui, monsieur Tolaba, merci, c'est très bien détaillé, affirmatif, c'est ce qu'on appelle recyclage. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, quelle nomination vraiment que vous avez trouvé que c'était du recyclage et pourquoi? Quelle nomination, quelle personne a été recyclée au sein du gouvernement de la transition? Bon, elles sont nombreuses ces personnes-là à avoir été recrutées, mais je vais prendre entre autres quelques-unes. Au niveau de la douane, par exemple, parce que là, quand même, c'était flagrant, même si au début, j'avais salué en disant que le monsieur, même si on l'avait vu, image à l'appui, arborant les uniformes ou disons des t-shirts du RPG, même si on avait parlé de non-politisation de l'administration, ce qui était le clan flagrant de ce monsieur, on avait fermé les yeux en disant que peut-être que c'est par contrainte le monsieur avait participé à ce projet de troisième mandat, à ses campagnes pour qu'il y ait changement de constitution. On s'est tué. Mais lorsque vous voyez, par exemple, que des personnes comme Abessila
qui a été nommé dans ce gouvernement. D'abord, en tant que politique, il ne devait pas du tout appartenir à ce gouvernement de transition. Ensuite aussi, pour avoir été un allié Alpha Condé, mais aussi un allié de l'opposition, parce qu'il convient de rappeler qu'en 2010, Abbé Sylla, c'était un allié à la Sélou Dalem dans la coalition Sélou Dalem président. Après, il a migré de l'opposition pour aller vers la mouvance, et c'est aussi un des prestataires du gouvernement au niveau des centrales électriques. Ça, à mon sens, le fait de l'avoir pris, c'était un recyclage. Ensuite aussi, ces personnes qui étaient autour de M. Alpha Condé, entre autres Mori Condé. Mori Condé, c'était, et les images sont là, elles très éloquentes, ont montré ce monsieur comme étant un petit, entre guillemets, de M. Alpha Condé. Le monsieur Boubacar Bari, ou Abakar Bari, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Lui, par exemple, il fut le créateur du concept « un étudiant, une tablette ». C'est connu de tout le monde, c'était un proche à M. Alpha Condé. Et récemment aussi, il s'agit de M. Dansa Kourma, qui avait même bénéficié d'un décret de la part de M. Alpha Condé et qui avait critiqué ceux qui s'opposaient au projet de changement de constitution, entre autres le FNDC. À mon sens, ces nominations sont des nominations très flagrantes, sans parler aussi au niveau des corps habillés, certaines personnes qui ont marqué leur retour, même s'il convient honnêtement de dire qu'il y a eu quand même des nouvelles têtes, il y a eu des nouveaux visages qui sont venus avec lesquels il est en train de travailler. Mais lorsqu'on parle de ces personnes-là, à mon sens, ce n'était pas du tout une très bonne chose. C'était un recyclage flagrant de ces personnes de l'ancien système, sans parler d'autres, puisque le temps ne le permettra pas. OK. Maintenant, M. Tola, je vous ai écouté avec intérêt, OK? J'ai une question que je me pose aujourd'hui, OK? Moi, j'ai remarqué quelque chose, M. Tola. Les personnes dont vous avez mentionné les noms ont participé ou contribué pour supporter le troisième mandat. Et aujourd'hui, les gens disent que ces personnes-là sont recyclées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ma question et mes remarques, il y a d'autres aujourd'hui qui ont supporté le troisième mandat, qui ont fait la promotion du troisième mandat, qui ont intégré, qui sont partis vers l'opposition, et on a accueilli ces personnes, et personne n'a mentionné d'abord sur les réseaux sociaux que c'est les promoteurs du troisième mandat. Est-ce que quelque part, il n'y a pas l'injustice? Parce que si la société civile, le peuple guinéen, l'opposition accueille le côté de gauche des promoteurs du troisième mandat dans l'opposition en les accueillant avec des médailles, avec les applaudissements, est-ce que le peuple doit s'opposer à ceux qui ont décidé aussi de travailler avec M. Doumbouya? C'est mes remarques. Mais on va laisser l'invité aussi parler de ça. Vous faites bien de mentionner ça. Et je me rappelle d'une phrase lorsque nous étions en train de faire notre direct, je pense, du 9 janvier, si je ne m'abuse. Ouais. Vous aviez mentionné une chose très importante en parlant du système. Vous aviez dit que le système se trouve à la fois au niveau de la mouvance et au niveau de l'opposition. Ça, c'est une phrase courte, mais pleine de beaucoup de sens. Pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, c'est difficile de comprendre d'ailleurs même vous, votre position lorsque vous avez fait la prison, lorsque vous êtes sorti. Il y en a qui ont pensé que vous aviez trahi la cause, il y en a qui ont pensé que vous aviez trahi la lutte. Okay. Aujourd'hui, le système que nous sommes en train de combattre, c'est un système qui se trouve au niveau de toutes les institutions, au niveau de toutes les corporations du pays, au niveau de toutes les familles. Ce système, il est à la fois à la mouvance, il est à la fois au niveau de l'opposition. Parce que c'est un circuit fermé, c'est un vase clos. Ce sont à peu près les mêmes personnes qui sont en train de faire des migrations en fonction des intérêts, en fonction des contextes. Et vous, lorsque vous avez dit qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont accompagné ce système-là, qui se sont retrouvés au niveau de l'opposition, c'est parce que ces personnes-là ont pensé que c'est le tour de cette opposition de venir au pouvoir. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui migrent au gré du vent. C'est-à-dire, plus ils trouvent que le vent est en train de souffler
vers la droite, puis ils vont se pencher vers la droite. S'ils trouvent que c'est la balance côté de la gauche, ils vont partir vers la gauche. C'est à nous, population, c'est à nous, Guinéens, de pouvoir comprendre ce jeu et de savoir que lorsque nous sommes en train de mener une lutte, nous ne devons pas mener une lutte contre une ethnie ou contre une organisation en tant que telle. Ce sont les personnes que nous devons combattre, même si en combattant les personnes, on ignore le système. Je vais vous donner un exemple très banal. Les gens qui combattaient Alpha Condé pensaient que le soir où Alpha Condé est tombé, que le système était mort, parce qu'ils ont mis en avant la personne d'Alpha Condé. Alors qu'Alpha Condé, en tant que tel, pris humainement, ça peut être une très bonne personne. Ça pourrait être une très bonne personne, pour avoir déjà été son résistant, cet opposant qui s'est opposé même à son propre régime. Mais ses intentions par rapport aussi à ses actions, qu'est-ce que nous pouvons juger? Ce sont ses actions. Et aussi, au niveau de ces actions-là, ça a été un échec total. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait entourer de ces personnes du système qui l'ont induit en erreur, même si lui aussi, il a participé peut-être par négligence ou bien peut-être par complicité jusqu'à ce qu'il y ait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, moi, par exemple, j'ai dénoncé lorsque j'ai vu au niveau des alliances, qui sont, au niveau des coalitions, pour ne pas parler d'alliances, lorsque certaines personnes qui ont appartenu au système Condé ont voulu venir s'agripper à El Asselou Dalé. Moi, je l'ai dénoncé vigoureusement parce que pour moi, ces personnes-là n'avaient plus le droit à la parole, n'avaient plus le droit au chapitre. C'est des personnes qui devaient être traitées comme telles et savoir que ce sont ces personnes-là qui ont contribué à fragiliser d'abord le tissu social, parce que lorsque Alpha Condé était en train de parler, par exemple, de quatre roues et de trois roues et d'une roue séparée, ou bien lorsqu'il était en train de parler de Mandé Diallo et de Fouta Diallo, ça aussi, c'était une division qu'il avait orchestrée. Moi, à mon sens, si j'appartiens à un système où je suis membre d'une coalition, où je vois que la personne avec laquelle j'ai coalisé est en train de dire ce genre, tenir ce genre de propos, je me désolidarise d'abord de la personne, je démissionne et je m'éloigne de la personne. Si ces personnes-là ne l'ont pas fait au moment opportun, elles ont attendu que ce régime-là tombe pour dire que nous étions là parce que nous étions forcés ou que nous étions contre, ces personnes-là, je ne vais pas du tout les accueillir ou leur donner du crédit, c'est ce qu'elles sont en train de dire. Merci, M. Tola. Merci, quelque chose qui est bien dit. Mais M. Tola, j'ai une bonne question pour vous. Doit-on, d'abord, vous personnellement, dans quelle catégorie ou dans quelle cage vous allez mettre les partenaires, les militants ou les sympathisants de l'ancien régime? Est-ce que vous les traitez d'adversaires ou vous les traitez d'ennemis de la Guinée? Si c'est des adversaires, est-ce que ces personnes-là doivent être écartées pour le développement de la Guinée ou bien ces personnes-là doivent être, on doit les inclure pour le développement de la Guinée? Et si c'est des ennemis, qu'est-ce que ces personnes-là méritent? J'aimerais vraiment que vous parliez sur ça. Bon, avant de répondre à cette question, il convient d'abord de faire le distinguo entre les militants et les responsables de parti. Okay. Les militants, vous avez posé la question si je les prends comme étant des adversaires ou bien des ennemis. Je vous dirais que je les prends tout simplement comme étant des compatriotes. Ça, c'est d'abord pour commencer. Parce que, oui, les personnes dont vous avez mentionné leur nom ne sont pas des responsables du parti RPG, c'est des militants. À ce niveau, moi, je faisais allusion à... j'aimerais d'abord faire une remarque, c'est-à-dire que moi, jusqu'ici, j'étais en train de parler de ces coalitions de partis politiques qui ont migré lorsque c'est... Je vais donner quelques noms très simplement. Par exemple, un certain monsieur Jean-Marc Teliano, un certain monsieur Ousmane Kaba, qui sont des leaders de partis politiques. Lorsque ces personnes-là, pour X ou Y raison, ou bien monsieur Ablaï Kourma, ces personnes-là qui ont même accompagné ces élections, ce référendum et ces élections législatives, lorsque ces personnes-là, voyant que l'UFDG et l'ANAD sont en pole position, lorsque ces personnes-là font des démarches pour aller vers Alaï Dissélou ou bien monsieur Abakar Souma qui est de Dixim, lorsque ces leaders de parti-là viennent vers
l'opposition de l'époque. Moi, je parle de cela. Maintenant, si vous étiez en train d'insinuer que ce sont les militants de parti qui veulent migrer vers par exemple, l'opposition, moi, je ne vois pas de mal dans ça, parce que c'est peut-être des personnes ce n'était pas des leaders, c'était des followers, c'était des gens qui ont été certainement induits en erreur par le discours des leaders qu'ils étaient en train de suivre. Et lorsque ces personnes-là se rendent compte de l'erreur qu'ils ont commise ou bien du mauvais choix qu'ils ont fait, il est tout à fait naturel que ces personnes-là changent ou qu'elles migrent. Je ne parle pas de ces personnes-là. Moi, je pensais que vous étiez en train de faire allusion à ces leaders. Maintenant, revenons à votre question pour justement apporter la réponse. S'il s'agit des leaders, là, je maintiens ma position que ces personnes-là n'ont pas du tout, méritent d'être pardonnées, certes, mais ne méritent pas du tout d'être traitées au même pied d'égalité que ces personnes-là avec lesquelles, par exemple, l'opposition était en train de mener la lutte. Parce que ces personnes-là devraient d'abord démissionner ou montrer leur soutien au moment où l'opposition, par exemple, en avait besoin. Maintenant, pour revenir aux militants, comme j'ai dit, ce ne sont ni des adversaires ni des ennemis, ce sont des compatriotes tout court. J'estime que nous sommes dans un régime démocratique où les gens ont la latitude de choisir dans quel parti ils doivent militer. Et si ces personnes-là ont choisi à un moment donné de militer dans un parti et que ces personnes-là se rendent compte que le parti-là n'était pas le bon choix, qu'elles fassent machine arrière ou qu'elles changent de direction, c'est, comme j'ai dit, c'est tout à leur honneur. C'est une très bonne chose qu'ils se rendent compte. Vous savez, M. Condé, dans cette vie, la perfection n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes imparfaits. Nous sommes parfois guidés par l'émotion, nous sommes parfois guidés par l'intérêt, nous sommes parfois guidés par plusieurs choses. Et lorsque ces choses-là s'avèrent être mauvaises et qu'on se rende compte à temps, qu'on se répand et qu'on change de direction, c'est une bonne chose. Comme on dit, l'erreur, elle est humaine, mais insister sur l'erreur, c'est là que ça devient diabolique, c'est là que ça devient animal en tant que tel. Donc, ces personnes-là, si elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas du tout sur le bon chemin qu'elles reviennent, elles sont les bienvenues. Et là, je ne vois pas du mal à ce qu'on les accueille. Par contre, leur accorder la même place que ceux qui étaient là, c'est à ce niveau-là que j'aimerais que les responsables qui les accueillent fassent un peu preuve de prudence avant de les mettre au même pied d'égalité que les autres. Merci, M. Tola. Et là, on va prendre un nom et notre deuxième sujet, qui est la CENI. M. Tola, pourquoi la CNT, pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord de la nomination de M. Dansa Kuruma? Est-ce que vous connaissez M. Dansa Kuruma? Parlons vraiment de Dansa, M. Dansa Kuruma et la CNT, s'il vous plaît. Commençons d'abord par l'installation de la CNT. Pourquoi vous avez des doutes sur l'installation de la CNT et pourquoi vous êtes opposé à la nomination de M. Dansa Kuruma? OK, allons pas à pas. D'abord, parlons du CNT en tant que tel, avant d'abord de parler des membres qui constituent ce CNT. Ce CNT, qui est le Conseil national de transition, il convient de rappeler que c'est la représentation de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que pendant cette transition, puisque l'Assemblée nationale a été dissoute, c'est cette institution-là qui doit gérer le côté législatif des choses, c'est-à-dire les lois, ces lois qui doivent nous gouverner au cours des prochaines années. Donc, c'est quand même une institution capitale. C'est une institution qui ne doit pas être prise à la légère parce que tout ce qui va advenir au cours des prochaines années qui vont suivre découlera des décisions, des actes qui seront posés par cette institution. Donc, ce n'est pas une institution dont ce n'est pas une question de se focaliser sur le nombre de 81 personnes et minimiser ce que cette institution pourrait faire ou devrait faire. C'est important que j'insiste à ce niveau. Si cette institution-là, elle est composée par des personnes dont la probité morale elle est douteuse, il va sans dire que tout l'effort qui sera fourni pendant cette transition sera un effort vain. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Oui. Ce qui veut dire que le soubassement de cet immeuble que nous voulons construire, son socle, c'est ce CNT. Et ce CNT, d'abord, au niveau de la charte qui a amené
à l'installation de ce CNT, comme je vous ai dit à l'entame de notre direct d'aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a une rédaction de cette charte ciel qu'il y ait prise en compte de la réalité du terrain au niveau de ceux-là qui sont les acteurs de la vie politique nationale et même aussi au-delà de ceux qui sont politiciens. Parce qu'il y a, quand même cette précision que je dois faire, c'est que la société civile, c'est vague. Lorsqu'on dit société civile, c'est vague. Excusez-moi, la société civile, c'est vous et moi. La société civile, ce sont les journalistes. La société civile, ce sont ces syndicalistes. La société civile, ce sont aussi ces politiques. Donc, en réalité, ces politiciens, parce qu'une transition, c'est d'abord politique, ne devaient pas du tout être mis à l'écart en ce qui concerne la rédaction de cette charte-là, parce qu'en réalité, ce sont eux qui devront prendre la destinée de notre pays. Et si on ne tient pas compte de ce qu'eux, ils pensent de cette transition, d'abord, ça a été un premier faux pas. Ensuite, sur la composition de ce CNT, ce sont les représentants, à l'image d'une Assemblée nationale, parce qu'on a dit Assemblée nationale. Donc, c'est toute la nation qui doit composer ce CNT. Mais là aussi, il convient de mentionner que ce ne sont pas du tout les représentants légitime et en droit de ces institutions ou de ces organisations nationales qui ont été cooptées au niveau de ce CNT. Ça, d'abord, c'est le deuxième faux pas, le deuxième bémol, le deuxième handicap, à mes yeux, qui constitue aussi un frein à la réussite ou bien à l'évolution de cette transition. Maintenant, venons à la personne de M. Dansa Kourma. Monsieur Dansa Kourma, parce que là d'abord, est-ce que je dois mentionner que cette constitution qui doit être rédigée, qui sera celle avec laquelle nous devons évoluer, comme j'ai dit, au cours des prochaines années, si cette constitution elle est taillée sur mesure pour favoriser ou défavoriser un individu, un groupe d'individus, il va sans dire que tout ce que nous sommes en train de faire partira à l'eau. Donc là, le président de ce CNT, qui est l'équivalent du président de l'Assemblée nationale, si lui, il a déjà un penchant connu, alors qu'une transition, par essence, c'est lorsqu'il y a une administration supposée être neutre. Vous savez, en tant que tel, lorsqu'il y a une administration, elle est supposée être, elle est supposée ne pas être neutre parce que c'est à l'issue d'une élection où il y a un parti dominant ou gagnant qu'il y a installation d'une Assemblée nationale, n'est-ce pas? Si nous prenons l'exemple de l'Assemblée nationale sortante, c'était une Assemblée monocolore, parce que ceux-là qui ont fait la compétition pour faire ces élections législatives étaient majoritairement de la mouvance ou bien des partis satellites inventés par M. Alpha Condé pour dire qu'il y a eu opposition. Donc, cette Assemblée, il n'allait jamais sortir un débat contradictoire dans l'hémicycle de cette Assemblée-là. Donc, par conséquent, tout ce qui sera défini dans cette assemblée sera à l'avantage d'une partie de cette classe politique, pas à l'avantage de tout le monde. Or, cette transition devait être l'occasion pour rabattre les cartes afin que tout le monde soit au même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de favoris, mais qu'il y ait tout simplement la chance donnée à tout le monde et au même pied d'égalité. Monsieur Dansa Kourma, il est connu, c'est avéré qu'il avait d'abord une opposition envers certains acteurs de cette transition de la classe politique, entre autres le FNDC, qui s'est battu fortement contre le changement de la Constitution. Et aujourd'hui, dans la composition de ce CNT, il y a le FNDC politique, vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a aussi il y a aussi l'ANAD contre laquelle M. Dansa Kourma a montré un certain mépris, une certaine opposition. Il ne l'a pas du tout caché. Et ça, ce ne sont que des exemples que je suis en train de vous donner, sans parler du fait que, comme je vous ai dit, M. Dansa Kourma, lorsqu'il y a eu prestation de serment, lorsqu'il y avait eu l'investiture de M. Alpha Condé, des journalistes lui ont posé des questions. Il avait dit que pour lui, la question du troisième mandat s'est mis derrière nous. Il a même menacé, il avait même qualifié ceux-là qui s'opposeraient au déroulement du mandat de M. Alpha Condé le troisième comme étant des rebelles. Vous imaginez la portée d'une telle position
de la part de quelqu'un qui est aujourd'hui le président d'une institution qui est supposée être équitable, neutre et juste. Est-ce que vous comprenez très bien combien de fois M. Dansa Kourma n'était pas du tout l'homme consensuel pour diriger ce CNT? Parce qu'un serpent, c'est la tête. Sans parler de ce qui a été une sélection, mais qui n'a pas du tout été une élection, encore moins un choix judiciaire des membres qui ont composé ce CNT. Donc, le débat, nous n'allons pas beaucoup l'étirer là-dessus, mais c'est flagrant que M. Dansa Kourma n'était pas du tout l'homme. OK, M. Tola, si aujourd'hui, je te demande tout de suite de me citer le nom de 3 personnes qui pouvaient être à la place de M. Dansa Kourma. 3 personnes. Est-ce que vous pouvez nous citer? J'aurais été plus à l'aise si vous me demandiez de citer 100 personnes qui auraient pu être à la place de M. Dansa Kourma. Parce que la Guinée, quand même, est composée de plus de 12 millions de personnes. Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est très facile. Si je me mets à citer ici, les yeux fermés, je peux vous donner 10 personnes aujourd'hui qui auraient pu être des personnes pour diriger ce CNT. Non, vous saviez, on a beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de mois devant nous. On va faire des débats. Tu sais, des fois, on va être chez toi, chez moi, ça va arriver. Citez-nous 3 personnes, parce que c'est très important. Parce que l'affaire de Dansa, moi, j'ai parlé avec d'autres personnes de la société civile, d'autres anciens membres du CNT, l'ancien CNT, d'autres aussi vraiment qui sont dans les partis politiques, est-ce que vous comprenez, qui disent, est-ce qu'on combat dans ça parce que les Guinéens pensent déjà qu'il a une partie prise ou bien on combat son incapacité? Est-ce que toi, tu penses que dans ça, a la capacité, a le savoir, a l'expérience, ou bien parce que tout simplement, dans ça, n'est pas crédible. C'est juste pour savoir. J'ai compris votre question. Il y a une publicité, je pense que c'est pour la marque Michelin, où on dit « sans la maîtrise, la force n'est rien ». Je pense que c'est le slogan de cette marque de pneus. La compétence sans la probité n'est rien, M. Condé. C'est-à-dire, vous avez beau à être bardé de diplômes, vous avez beau à être compétent, si vous n'avez pas la probité, c'est comme ce qu'on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, je ne suis pas en train de focaliser le débat sur les capacités intellectuelles de M. Dansa. Pour moi, le débat ne devait même pas être à ce niveau. J'ai entendu plusieurs confrères, plusieurs hommes de médias, plusieurs intervenants dire que pour la fonction de CNT, M. Dansa Kourma était l'homme idéal. D'abord, pour avoir appartenu à un CNT qui est celui de 2010, mais malheureusement, La constitution qui avait été rédigée par ce CNT, M. Dansa Kourma, ne l'a pas du tout défendu. Donc, à ce niveau, ce tatou qu'il aurait pu avoir tombe en désuétude. Et pour moi, il est neutralisé par son silence lorsque justement M. Alpha Condé était en train de critiquer cette constitution que lui, Alpha Condé, devait valider une fois au pouvoir. Parce que les accords de Ouaga stipulaient qu'une fois qu'il y a un président élu, ce président élu devrait se charger de faire valider par une Assemblée nationale cette constitution qui avait été rédigée par le CNT. Mais il y a eu motus causus à ce niveau et c'était fait à dessein. Parce que M. Alpha Condé connaissait très bien que cette faille, il allait l'exploiter après. Voilà pourquoi il a mis toujours la classe politique en défensive où ils étaient en train de faire des marches. Quand est-ce qu'on va avoir les élections? Wema, qu'il fallait qu'il parte. Sabari, il fallait qu'il parte. Donc, cet organe qui devait piloter ces élections, on s'est plus concentré à faire la bataille sur ça plutôt que de faire en sorte qu'une fois qu'il y a une assemblée, que la constitution soit validée. Donc, lui aussi, il a attendu à la dernière minute pour souligner que la constitution qui est là n'est pas une constitution qui émane du peuple, mais plutôt qui émane d'une organisation, d'un groupement de personnes. Maintenant, pour revenir à votre question, M. Dansa Kourma, ensuite on donne comme atout à M. Dansa Kourma, c'est d'être le président de la plus grande organisation de la société civile, qui est le CNOX. Plus grand par rapport à quoi? De par son nombre, de par sa longévité, de par quoi? Donc je pense qu'à ce niveau aussi, il y a une arnaque qu'on est en train de faire sur les Guinéens, en disant que c'est la plus grande organisation de la société civile. Ce n'est pas du tout vrai.
Parce qu'il y a d'autres, de par la composition de leurs membres ou de par les actions que ces organisations ont faites, ça leur donne plus de crédibilité devant un monsieur dans sa courma qui est resté silencieux, qui devrait justement agir en toute objectivité lorsqu'il s'est agi, par exemple, de défendre encore une fois les lois de la République. Il ne l'a pas du tout fait. Il a été d'ailleurs très ambigu lorsqu'il fallait se prononcer, lorsque M. Alpha Condé était en train de violer une loi, par exemple. Il a toujours été cette personne-là qui ne s'est jamais exprimée de manière ouverte, de manière sincère. Donc, ça a été toujours lui, son fort, c'est d'être toujours ce mi-figue, mi-raisin, cette personne-là qui évolue au gré du vent lorsqu'il trouve que le monsieur qu'il faut critiquer est en difficulté, là, il se met à critiquer. Lorsque la personne est en force, il se met à soutenir, se cachant toujours derrière des lois, derrière des... C'est-à-dire que ce monsieur, pour moi, n'était pas du tout la personne idéale, comme je vous ai dit. Parce qu'il n'a jamais, il n'a jamais soutenu une position claire, il n'a jamais été sincère dans sa lutte, il s'est toujours servi d'abord de son institution. D'abord aussi, il a toujours eu cet agenda caché lorsqu'il est en train d'évoluer. Donc, pour moi, monsieur, dans sa courma, si je me mets aujourd'hui, parce que j'ai prévu justement dans un des directs de parler de lui et de sortir combien de fois, ses sorties hasardeuses, ses sorties douteuses, ses sorties ambiguës, il a toujours surfé sur ce flou qu'il a toujours entretenu jusqu'à ce qu'il essaye de voir la lumière et qu'il s'agrippe sur quelque chose qui semble pouvoir tenir la route. Vous voyez, cette charte que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, il est l'un des rédacteurs. En rédigeant cette charte-là, est-ce qu'il a tenu compte du paysage politique, de la réalité du terrain? La réponse est non. La constitution aujourd'hui qu'ils ont rédigée, il a tenu compte, il a taillé sur mesure pour pouvoir éliminer certaines personnes contre lesquelles il a un mépris. Vous l'avez suivi souvent, il accuse souvent la classe politique à laquelle il remet la responsabilité de ce retard aujourd'hui. Et là, je vous renvoie à ce discours que M. Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, avait tenu lorsqu'il avait rencontré la classe politique, où il avait dit « Nous avons échoué, vous avez échoué ». C'est-à-dire qu'il met tout le monde dans le même bateau. Pourquoi? Parce que c'était M. Dansa Kourma, effectivement, qui avait rédigé ce discours-là. Ce sont des choses que nous apprenons dernièrement, que c'est lui-même qui rédigeait le discours de M. le colonel Mlaï Mamadi, où ils étaient en train de s'attaquer à cette classe politique, mais où il était lorsque justement M. Alpha Condé, qui fait partie de cette classe politique, était en train de violer, il était en train d'instaurer cette dictature-là. Où il était-il? Donc moi, si on me demandait moi de choisir des présidents pour le CNT, j'aurais pu choisir facilement Fonike Mengue. Fonike Mengue, non seulement c'est quelqu'un qui a payé de par son engagement contre le projet de changement de la Constitution et qui avait même partagé la prison avec vous. Ça a été l'un des rares, d'ailleurs, qui n'a pas du tout baissé les bras, qui est resté mordicus sur sa position droit dans ses bottes, préférant la mort plutôt que de demander pardon à M. Alpha Condé ou bien de trahir sa cause. Voilà pour moi une personne qui n'allait pas du tout s'asseoir et voir une injustice un arbitraire se faire dans ce CNT-là et qui aurait pu fallablement être un président de ce CNT. Un certain maître Traoré, par exemple, qui a prié par son courage, son engagement à faire respecter la loi, d'ailleurs qui avait souligné que le changement de la Constitution dont parlait M. Alpha Condé n'était pas du tout opportun, parce qu'il y avait des intangibilités dans cette Constitution-là que M. Alpha Condé ne devait pas du tout violer. Il a parlé de ça. Si nous parlons d'un certain Khalifa Gassama Gabi qui a démissionné lorsqu'il a senti que justement la direction prise par M. Alpha Condé n'était pas du tout la bonne direction qu'il pouvait prendre. Monseigneur, il y a plein de personnes, comme je vous ai dit, qui auraient pu facilement être président de ce CNT, mais pas dans sa courma quand même. C'était une insulte, ça. Monsieur Tola, je vais vous informer une chose, OK? Avant l'implantation du CNT, je vais vous dire, le débat qu'on fait contre Dansa présentement, il allait avoir le même débat contre Fonike Mengue. Il y a bonne partie du peuple guinéen qui allait s'opposer que Fonike Mengue soit le président du CNT.
y a une bonne partie des Guinéens qui allaient s'opposer que Maître Traoré soit le président du CNT. Il y a une bonne partie aussi qui allait être opposée, la troisième personne dont vous avez mentionné le nom. Monseigneur Robert Sarah, par exemple, est-ce que vous trouvez que cette personne-là pouvait... Il y a deux personnes déjà dans le nom que vous avez mentionné qui m'a dit qu'elle allait s'opposer. Le monsieur Maître Traoré. Tout le monde parle de monsieur Maître Traoré. M'a dit qu'allait être la première personne à s'opposer de Maître Traoré. Parce que je vais vous dire, un jour, je vais faire un débat avec toi. Les choses que je reproche à Maître Traoré pendant qu'on était détenu à la maison centrale. Est-ce que vous comprenez? Et monsieur Robert Sarah, moi, j'allais être catégoriquement vraiment contre la nomination de monsieur Robert Sarah. Je vais m'expliquer, OK? Monsieur Robert Sarah, ce n'est pas des personnes qui ont pu dire la vérité à M. Alpha Condé quand M. Alpha Condé a fait des arrestations arbitraires. Ce n'est pas des personnes aujourd'hui qui ont pu dire la vérité à M. Alpha Condé quand on a tiré à l'axe Amdallah Bambeto. Et c'est des personnes-là qui devraient être devant M. Alpha Condé, faire face ou amener le message du peuple guinéen devant M. Alpha Condé. Ce qui est important dans l'histoire du système-là, je vais vous dire, je vais partager quelque chose avec vous. Il y a eu un gros problème entre les pôles d'avocats. Moi, on m'a dit que je vous dis aujourd'hui, parce que c'était Maître Traoré qui était à la tête. Est-ce que vous comprenez? Mais le débat, je vais t'appeler en privé pour t'expliquer beaucoup de choses. Moi, j'allais m'opposer. Moi, on m'a dit que j'allais m'opposer. Tu vois le problème de la Guinée? Parce que, monsieur Tola, je vais vous dire une chose de très importante. Il y a des personnes aujourd'hui en Guinée dont les Guinéens leur parlent d'eux, applaudissent pour eux, mais dans l'ombre, attention, ils ont joué un rôle. C'est Madik qui vous dit. Est-ce que vous comprenez? Avant la nomination de Dansa, je vais te dire, moi, Dansa, à part les réseaux sociaux, j'ai rencontré Dansa une fois. On était en pleine crise à la maison centrale. Dansa s'est déplacé, venir à la maison centrale. Aucun des détenus voulait rencontrer Dansa. Moi, je dis, mais je vais voir Dansa, je vais parler avec Dansa, je vais savoir c'est qui Dansa. Il était avec une délégation. Est-ce que vous comprenez? Ça a été un gros problème ce jour-là, presque à la maison centrale, jusqu'à ce que le régisseur s'est impliqué dedans. Est-ce que vous comprenez? On a un problème aujourd'hui en Guinée, Monsieur Tola, on a un problème aujourd'hui en Guinée. Madik va vous dire, après vous allez me donner raison. Il y a deux sortes d'ennemis en Guinée. Ceux qui sont affichés et ceux qui ne le sont pas. Ça, Monsieur Tola, c'est très important. Ça, c'est très important. Ce n'est pas pour rien, j'ai dit de citer les noms. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai eu un gros problème avec Monsieur Traoré. Tu peux demander Fonike Mangue, tu peux demander Suleiman Kondé, tu peux demander Ismaël Kondé, tu peux demander M. Gawal. La personne qui m'a dit d'arrêter, c'était Honorable Ousmane Loubalde. Il est vivant, il faut l'appeler, tu lui demandes, il va dire tout là, ce que Malik te dit là, c'est vrai. Ça allait être un gros problème en prison. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça ici, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, hein, regardez, hein, M. Tola. Oui, mm-hmm. Regardez, hein, moi, les promoteurs du troisième mandat, je vais te dire, ceux qui sont fâchés, ils sont dans leur droit. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont fâchés, ceux qui sont contre la nomination de Dansa, avec leur argument, ils sont dans leur droit. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous m'aviez remarqué, depuis ma sortie, j'ai reculé et puis j'observe. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Tola, là où je suis comme ça, Billahi Talai, il y a des Guinéens dont je vois sur les réseaux sociaux, les gens les réclament, les gens les applaudissent, monsieur Tola. Billahi Talai, parmi ces personnes-là, il y a des pires Guinéens. C'est Madi qui vous dit. Et des fois, je me demande, ceux qui me travaillent aujourd'hui, quelle solution on va trouver? Comment le bon Dieu va nous donner, c'est que comme un petit chemin, une petite porte de sortie. Est-ce que vous comprenez? Okay. Il y a beaucoup de personnes qu'on va nominer en Guinée, il va y avoir les Guinéens qui vont s'opposer. Moi, j'allais m'opposer à Robert Sarah, j'allais m'opposer à Maître Traoré. Je vous parle en connaissance de cause.
C'est sûr et certain. D'accord. Je sais que je suis l'invité et qu'il est de bon sens que je sois celui qui reçoit les questions, mais puisque nous sommes des confrères, nous sommes ouais. de la génération et qu'il faut faire l'interactivité, est-ce que vous permettez que moi aussi je vous pose quelques questions? Oui, c'est ça l'importance du débat. Oui, monsieur Tola, je vous appartiens. Vous êtes dans votre droit d'avoir des reproches, des récriminations contre ces personnes-là, et ce n'est pas du tout moi qui vais vous l'enlever. Je vous le concède vraiment, parce que vous avez eu des interactions avec ces personnes, même si pour ce qui est de Monseigneur Robert Sala, vous n'avez donné que le fait qu'il soit silencieux, mais vous n'avez pas eu, en fait, une expression personnelle, en fait, une expérience personnelle avec lui. Mais revenons à monsieur, à maître Traoré. À votre avis, parce que maître Traoré, vous avez quelque chose que vous n'avez pas apprécié, ferait de maître Traoré une personne qui doit être récusée? C'est la première question. Merci pour la question. Il n'a pas fait quelque chose à Madi. Il a fait quelque chose aux prisonniers politiques. Okay. Il n'a pas fait quelque chose à Madi, il a fait quelque chose parce qu'il représente, c'était lui le représentant des pôles d'avocats, est-ce que vous comprenez? C'était lui qui était entre M. Selouda Lengallo, l'opposition et les prisonniers politiques. Ce n'est pas un problème personnel. Est-ce qu'on peut savoir quelle était cette chose-là, si ce n'est pas du tout trop personnel qu'il avait fait, que nous pouvons partager avec le peuple, avec la population? Ce n'est pas personnel parce que je vais te dire, il y a quand l'acte s'est passé, parce que, M. Tola, il y a quelque chose de très important. S'il y a des choses que je ne peux pas dire à l'instant, parce que ça a rapport avec un parti politique, l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Et donc, moi, j'ai été, quand l'acte s'est passé, j'étais un représentant de l'UFDG. Et est-ce que ça a été un gros problème, vraiment? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait que je me retiens, parce que c'est un dossier aussi que la plupart du temps, c'est le président... parce que M. Selou il est au courant de ce qui s'est passé, est-ce que vous comprenez? Donc, quand un dossier se retrouve vraiment au niveau du président, tu ne peux pas aller plus vite que le président ou être, je ne sais pas, l'arbitre du diable, est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour te dire, oui, M. Traoré a fait des actes que moi, je l'ai dit, j'ai été l'une des personnes qui lui a dit la vérité. Les autres disaient, quand on faisait des réunions en prison, mais moi, je lui ai appelé, je lui ai dit, et il est même venu, il était fâché, on a échangé. Après la prison, on s'est compris. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, quand tu fais quelque chose, ce n'était pas personnel, c'est vraiment à l'égard des prisonniers. Voilà, maintenant, nous, par exemple, nous avons pour credo de juger les gens en fonction des actes qu'ils sont en train de poser. Ne pas avoir tout simplement des suspicions sur eux. Et les condamner déjà sans les avoir écoutés ou pratiqués. Si vous, on vous demandait par exemple la même question que vous m'avez posée, est-ce que d'abord Dansa Kourouma pour vous est une personnalité fondée? Est-ce que c'était la bonne personne pour diriger le CNT? C'est ma première question. La deuxième question, si c'est lui, quelles sont les choses que vous estimez qui font de lui la personne idéale? Sinon, quelles sont les autres options ou les autres propositions que vous auriez pu faire, qui auraient pu faire l'unanimité d'après vous? Ben, c'est sûr, il n'y aura pas de choix qui fera l'unanimité en Guinée, c'est impossible, il n'y aura pas de choix. Moi d'abord, si c'est au niveau des hommes de droit, parmi les pôles d'avocats, j'ai remarqué l'effort de deux personnes. Est-ce que d'abord, monsieur Dansa Kourouma, d'abord, est-ce que vous estimez que c'était la bonne personne? C'est la première question. Si, monsieur Dansa, réellement là où je suis comme ça, moi, je n'ai pas de doute sur monsieur Dansa Kourouma. Je vais te dire pourquoi. Je suis sûr et certain, monsieur Dansa Kourouma ne peut pas mettre la main sur les yeux des Guinéens. Ça, c'est un. De deux, M. Dansa Kourouma ne peut pas être plus fort ou plus intelligent que nous, mais moi, je me réserve. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, ça a été le cas jusqu'ici, parce que jusqu'ici, c'est d'abord M. Dansa, et je ne suis pas le seul à avoir dit cela, vous pouvez même aller dans certains médias, qui vous diront que la sélection de ces ministres, M. Dansa Kourouma a été celui-là qui sélectionnait les dossiers, qui faisait même des entrevues.
pour les chefs de cabinet, ça a été lui. S'il a pu tromper le monde... Les ministres de qui? Les ministres de ce gouvernement, le gouvernement qui est actuel. Il a fait des entrevues pour ces personnes, il a fait des entrevues pour les membres du CNT. Quelle était sa fonction officielle pour avoir cette latitude de sélectionner des dossiers d'après vous? Et merci. Quand j'ai appris ça, M. Tola, tu sais la question que je me suis posée? Il y a des personnes aujourd'hui au sein du gouvernement de colonel Mamadi Doumbouya qui ont dénoncé l'injustice contre M. Alpha Condé, qui ont combattu le mal de M. Alpha Condé. Et si, eux aussi, ils sont aujourd'hui avec M. Mamadi Doumbouya, je pense que c'est à eux aujourd'hui de nous dire ce qui se passe réellement avec Mamadi Doumbouya. Parce que moi, je trouve vraiment en Guinée, c'est un pays de rumeurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne peux pas imaginer qu'un certain Mangian Sidibé, qui a combattu le troisième mandat, qui est aujourd'hui dans le gouvernement et qui se passe les choses là dans le gouvernement et qui n'informe pas les Guinéens. Ça ne se peut pas que M. Ousmane Gawal est dans le gouvernement, qui a combattu le troisième mandat, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui ne nous informe pas de ce qui se passe aujourd'hui dans le gouvernement. Tu vois où je suis prudent? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le peuple est massivement représenté au sein du gouvernement. C'est des personnes qui ont combattu M. Alpha Condé. C'est là où je me suis dit, est-ce que la Guinée, qui on doit faire confiance? Qui le peuple va se fier? Est-ce que vous comprenez? Si, je te dis encore, même Fonike Mangue, est-ce que vous comprenez? Il y a des déclarations que moi, je pensais que Fonike Mangue allait faire après la prison, mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Je m'attendais à ce qu'il fait. Beaucoup de révélations devant le peuple. Beaucoup de personnes. Donc, je me pose des questions maintenant. En Guinée, qui on peut se fier? Est-ce que vous comprenez? C'est une pertinente question, M. Condé. On va récapituler, vraiment, aller pas à pas. C'est que déjà, vous estimez que M. Dansa Kourouma ne va pas tromper tout le peuple. Il ne pourra pas du tout, en fait, il ne pourra pas dribbler. Il ne pourra pas du tout dribbler tout le monde. Ça, je vous concède cela et je vous laisse en fait responsable de votre position. Nous, comme j'ai dit encore une fois, Tola, j'ai pour credo de juger les gens en fonction de ce que ces gens sont en train de faire. Monsieur Dansa Kourouma, pour avoir pu infiltrer, d'abord, lorsque le colonel Lai Mamadi a dit pas de recyclage et que la charte après a dit qu'on ne doit pas du tout recycler toutes les personnes issues des institutions dissoutes. Monsieur Dansa Kourouma, c'est quelqu'un qui est issu justement de ces institutions dissoutes. S'il a pu se faufiler jusqu'à s'introduire dans le système, aller même avoir une autorité lui permettant même de savoir qui doit faire quoi et où, moi je me dis que Monsieur Dansa Kourouma, il est vraiment puissant. De la même façon qu'il a pu tromper la vigilance de tout le monde jusqu'à infiltrer aujourd'hui le CNRD, moi je me dis que cette personne-là est capable même de vendre la Guinée aujourd'hui. Et je suis en train de mesurer mes propos parce que c'est quelqu'un qui est d'abord qui sait faire le camouflage, c'est quelqu'un qui fait faire la diversion, c'est quelqu'un qui peut faire le caméléon en se confondant au décor dans lequel il est venu. Donc, pour moi, je vous conseille, hein, c'est votre position, comme je vous ai dit. Vous l'avez rencontré qu'une seule fois, vous n'avez pas encore donné les détails de votre rencontre, mais pour moi, si des individus que vous avez pu réquiser comme Maître Traoré, Monseigneur, si vous avez trouvé que ces gens-là voulaient reprocher le fait l'un de n'avoir pas parlé, l'autre de vous avoir fait quelque chose, j'estime que Monsieur Dansa Kourouma, au-delà d'avoir fait des choses sur des personnes, la fête sur la population, sur le peuple de Guinée aujourd'hui. C'est ma position. Je respecte ça, je suis d'accord avec vous, et ce n'est même pas parce que je suis en désaccord avec vous, c'est très loin de ça, M. Tola. C'est normal. Oui, si on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas un problème personnel vraiment avec M. Traoré, mais on dit qu'il y avait des processus qu'on a mis en place, que l'opposition avait mis en place. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire, il y avait des avocats là-bas qui n'étaient pas là pour défendre les prisonniers politiques.
c'était des avocats qui étaient là pour prendre de l'argent. Et si on ne dit pas ça aussi au peuple, le peuple guinéen pense que toute personne qui se dit homme de droit est une personne droit, mais ça c'est faux et archi faux. Est-ce que vous comprenez? Je sais que les Guinéens, ils ne vont pas me comprendre aujourd'hui, mais je me comprends et l'avenir me donnera raison parce que je dis la vérité, ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour te dire, pour revenir à ça, être président du CNT, moi, tu sais, les gens, on se parle en privé. Est-ce que vous comprenez? Wallahi, moi, on m'a posé des questions. On m'a posé beaucoup de questions. Par contre, pour trouver aujourd'hui en Guinée quelqu'un qui n'a pas de parti politique ou bien quelqu'un qui n'est pas sympathisant d'un parti politique, je serais surpris, M. Tola, en Guinée. Madik non, c'est sûr, je suis d'accord avec vous et c'est pourquoi j'étais en train de parler de probité. J'ai dit, ce qui compte, ce n'est pas du tout la capacité, la formation académique des gens, mais leur probité morale qui fait d'eux des personnes équitables, c'est-à-dire des personnes qui vont faire prendre les décisions en toute indépendance, mais en toute objectivité, sans avoir de parti pris. Mais revenons maintenant à votre question. Moi, par exemple, j'ai un penchant politique pour un parti politique donné. Ça, je ne le cache pas. Moi, d'abord, peut-être ça va être la révélation de l'année. Moi, j'étais quelqu'un qui avait voté pour la première fois pour l'UFR. C'est-à-dire, lors des élections présidentielles, la première fois, c'était l'UFR. Mais avant l'UFR, j'avais voté toute première élection présidentielle à laquelle, lorsque j'ai atteint la majorité à laquelle j'avais voté, c'était l'élection lorsque Alpha Condé avait revendiqué sa victoire. C'était en quelle année? J'ai même oublié. J'étais tellement jeune que je ne me rappelle même pas. Mais j'avais voté pour l'UNR à l'époque, sans même savoir pourquoi je votais. Pourquoi? Parce que dans ma famille, je voyais que tout le monde était dans l'euphorie de soutenir l'UNR. Et pour avoir vu Bamamadou pour la première fois qui était venu chez nous, donc j'ai dit, voilà la personne pour laquelle je vais voter. Vous, M. Condé, je sais que dans votre famille, la plupart des gens votent RPG. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez voté RPG par après. Mais moi, ma jeunesse à l'époque, pour moi, la vérité se trouvait du côté de l'INR. Mais après, lorsque je suis devenu adulte et j'ai compris comment faire un discernement, j'ai pris en toute objectivité celui-là qui paraît être pour moi le candidat idéal. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et que monsieur Sidi Touré était premier ministre, je me rappelle que le prix du jus avait baissé jusqu'à 300 francs. Je me rappelle même des prospectus qu'on mettait dans les rues, on disait 300 francs seulement. Donc moi, avec 500 francs, je pouvais aller à l'école, m'acheter un jus, avoir un pain d'or avec du beurre dedans. Donc moi, j'ai dit, si un premier ministre avait pu rendre la Guinée à l'époque le coût de la vie abordable, je vais voter pour cette personne-là. Pourtant, M. Sidi Touré, peut-être aujourd'hui qui va apprendre que Tola, qui est là, a été un de ses militants ou partisans ou sympathisants, va être surpris. Parce que jamais j'ai vu ce monsieur. Jamais je l'ai côtoyé, jamais je lui ai parlé. Mais j'avais considéré que c'était l'homme idéal au niveau des élections du premier tour. C'est lorsqu'il y a eu deuxième tour et que lui s'est allié à l'UFDG, que je dis aujourd'hui ouvertement que j'avais voté pour l'UFDG. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, si on me met dans une place, je pourrais favoriser l'UFDG si toutefois je ne fais pas les choses en âme et conscience. Et c'est là où justement que ma conscience doit m'interpeller pour me dire la relation que j'ai, par exemple, avec l'UFDG ne doit pas du tout diluer la responsabilité qui m'a été confiée, celle qui consiste à être droit dans ce que je suis en train de faire. C'est là où justement il y a le problème pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir ce citoyen guinéen qui n'a pas de penchant politique. Du moment que vous êtes un électeur éligible et électeur, vous devez avoir un choix. Mais ce choix, vous ne devez l'exprimer que dans les urnes. C'est pourquoi le vote, il est secret. Quand vous rentrez dans les urnes, quand vous allez dans l'isoloir et que vous prenez le bulletin est secret et quand vous allez dans les urnes, vous votez comme une balle pour celui-là pour lequel vous voulez voter. Mais cela ne doit pas vous enlever votre responsabilité morale de dire, par exemple, lorsque je suis en train d'agir au nom de tout le peuple, je dois regarder l'intérêt du peuple, mais pas mon intérêt. Donc, je ne sais pas si à ce niveau, on s'est bien compris. On s'est très bien compris. Le principal problème en Guinée aujourd'hui, c'est la responsabilité morale, mais c'est tout là-bas.
La Guinée n'a pas un problème d'intellectuel. La Guinée n'a pas de problème de fils dignes ou quoi que ce soit. C'est un problème de moralité intellectuelle. Il y a des... Aujourd'hui, je te dis encore, je sais de quoi je parle. On est dans un système aujourd'hui, 99,99% des Guinéens ont une position. Qu'ils s'affichent ou pas, ils ont une position. Et je vais te dire, je vais prendre l'exemple à moi. Je vais prendre l'exemple à moi, OK? Là où je te parle comme ça, moi, je rêve pas ou ni... Je ne peux pas être le président du CENI, du CNT. Parce que pourquoi? J'ai mon opposant en qui j'ai confiance, et là, c'est Ludalin Diallo. Est-ce que vous comprenez? J'ai participé aux élections législatives 2020. Est-ce que vous comprenez? J'étais là-bas. J'ai vu comment les élections se sont déroulées. J'ai vu comment M. Dalin a gagné les élections. Est-ce que vous comprenez? Je ne me suis même pas embarqué dans ça ou trouvé une place. Parce que déjà, moi, en âme et conscience, j'ai une position que j'ai assumée, quoi. Est-ce que tu me comprends? Moi, j'ai une position. Et la majorité des Guinéens, ils ont des positions, mais ils n'assument pas. D'où c'est difficile de trouver une personne neutre en Guinée. Parce que ceux dont on connaît aujourd'hui, ils sont affichés. Mais il y a d'autres qui ne sont pas affichés. Mais vous faites bien de parler d'assumer sa position. Justement, moi, parce que je ne voulais pas beaucoup qu'on s'étale sur ça, parce qu'on avait d'autres points aussi sur lesquels on devait s'exprimer, vu que le temps est en train de nous courir derrière, courir après plutôt. Monsieur Dansa Kourma, justement, c'est l'une de ces personnes-là qui jusqu'ici ne s'affiche pas, ne dit pas réellement sa position politique, alors que cette position politique, elle est connue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire où on ne peut pas tromper tout le monde. C'est-à-dire que même si on dit que le vote, il est secret et que les gens vont dans les isoloirs pour prendre l'enveloppe et voter pour la personne de leur choix, mais on connaît quand même, lorsqu'une bouche s'ouvre, on peut quand même savoir ce qui se trouve dans les cœurs, dans certaines positions. Lorsqu'aussi on est en train de voir les personnes sur le terrain en train d'agir, on sait très bien que M. Dansa Kourma, c'est un allié à M. Alpha Condé. Ça, je le dis ici, sans même me cacher. Ce n'est pas un crime en tant que tel. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il est non seulement électeur et éligible, et puisqu'il est électeur, il doit avoir un choix politique, il doit avoir une couleur politique. Mais lorsque cette couleur politique l'empêche d'être, j'essaie de trouver le mot qui convient, d'être vraiment juste dans sa fonction et ne pas confondre lui dans sa militant et dans sa militant des droits de l'homme ou dans sa président d'une organisation de la société civile, là, ça pose problème. Vous, par exemple, vous avez dit que vous avez milité pour El Hadj Sélou. Mais si aujourd'hui, vous, on vous dit de regarder l'intérêt du parti UFDG et l'intérêt du pays en général, lequel vous allez privilégier? Je connais la réponse. C'est l'intérêt du pays. C'est l'intérêt du pays. Ça, c'est à 100%. Lorsque vous dites que donc, vous ne pensez pas pouvoir être un président du CNT, je vous demanderai peut-être de revoir cette réponse par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Parce que moi, j'estime que vous pouvez valablement être un président du CNT si toutefois vous agissez en âme et conscience et en toute objectivité. Oui, Monsieur Tola, je vais vous dire une chose, OK? Regarde le problème de la Guinée, Monsieur Tola. Je préfère les hommes qui prennent position et s'assumer. Est-ce que vous comprenez? Je me connais. Est-ce que vous comprenez? C'est que les élections, ma position, ma conviction, elle est prise. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que je fasse semblant. Est-ce que vous comprenez? Que je n'ai pas aussi la confiance, c'est que ma conviction en voulant être le président du CNT. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que je me mets moi-même. Parce que je vais venir là-bas comme président. Déjà, j'ai une position. Et cette position... Pour gagner en temps, vous m'avez ouvert la brèche ici. Vous avez parlé tout à l'heure de Fony Kemenge, que lui, après qu'il soit sorti de prison, vous attendiez à ce qu'il fasse certaines révélations. Si on vous demande aujourd'hui de faire un choix de président du CNT entre Dansa Kourma et Fony Kemenge, lequel vous auriez pris?
Parce que je connais Fonike Mangue très bien. Je ne connais pas comment on appelle Dansa Kuruma très bien. Mais moi, je ne vais pas prendre l'un, je ne vais pas prendre l'autre. Ah, donc, pour vous, tous les deux ne sont pas du tout de bonnes personnes pour être président de cette de ce pas CNT. Parce que c'est non, pas parce que c'est pas des bonnes personnes pour être président de la CNT. C'est toutes des personnes qui ont une position. Toi, là, c'est très important. Quelle est la position de monsieur Fonike Mengue, par exemple? Non, c'est à Fonike de dire au peuple sa position. Est-ce que tu comprends? Mais Madik sait mais, que mais à toutes ces personnes à date, la position. À date, la position qui est connue de lui, c'est celle d'être un membre du FNDC. Le FNDC a montré sa position claire, qui sont opposés au projet de changement de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons ce coup d'État qui s'est opéré et on estime que ceux qui sont au niveau du CNRD sont ceux-là qui sont opposés justement à ce projet de troisième mandat parce qu'ils sont venus arrêter, stopper net ce mandat qui était à ses débuts. Donc, lui... Oui. C'est toi là. Oui, oui. Toutes les personnes dont vous avez mentionné le nom, y compris Madik, on a tout un chacun une position. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quelle serait la bonne personne pour vous? Mais moi, jusqu'à demain, après mon retrait, je me pose des questions. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes en Guinée en qui j'ai confiance à ces personnes. Mais le problème, ce n'est pas qui peut ou qui ne peut pas. C'est que nous devons fermer les yeux, sélectionner quelqu'un, mettre là-bas, laisser la personne avec sa conscience. Mais on ne peut pas sélectionner quelqu'un qui n'a pas de position. Oui, maintenant vous, parce que je vois ici des commentaires de gens qui se posent la même question que je viens de vous poser. Si vous, on vous disait, on vous mettait à la place, déjà c'est votre homonyme, si on vous donnait la tenue et qu'on vous disait, vous êtes le président du CNRD qu'il fallait choisir, nommer, parce que ça a été le cas, un président du CNT. Quelle est cette personne que vous auriez pu choisir? On appelle ça va être pour moi une audition à l'aveugle. C'est-à-dire? Parce que je vais être obligé de prendre un homme de confiance pour moi, mais pas un homme qui n'a pas de parti prise. La sélection, c'est ça. Si tu me dis de citer les hommes de confiance, j'en ai beaucoup. Mais Monsieur Gassama Diaby, par exemple, est-ce que pour vous, c'est un bon choix? Moi, Monsieur Gassama Diaby, à la CNT, ce n'est pas un bon choix parce qu'il a servi le gouvernement Alpha Condé. Mais il avait démissionné. Il ne s'agit pas de démissionner. On ne peut pas parler de Monsieur Alpha Condé sans parler de Monsieur Gassama Diaby. Je n'ai rien contre Monsieur Gassama Diaby, mais il a servi le régime qu'on considère comme le régime dictatorial. C'est des personnes qui ont été là quand il y a eu des massacres. On ne peut pas exclure M. Gassama. Lui-même s'est inclus dans l'erreur qui est passée en Guinée. J'ai la vidéo ici. Il s'est inclus dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas qu'on aille avec sentiment. Il faut qu'on aille avec la vérité. M. Gassama aussi n'est pas bien placé. Il a servi M. Alpha Condé loyalement. Il a été là loyalement. Ok, un homme de confiance pour vous alors. Un homme de confiance pour vous. Bon, un homme de confiance pour moi, le problème de président du CNT, chacun a ses hommes de confiance en Guinée. Chacun. Maître Béabogui, l'avocat, moi, c'est un homme de confiance à moi. J'allais le citer facilement. Oui, allez-y. Maintenant, si on vous demande maintenant de faire un choix entre Maître Béabogui et Dansa Kuruma, lequel vous auriez pris? Non, moi, je vais prendre Maître Béabogui. D'accord. Parce que je connais les parcours de Maître Béabogui, son mécanisme de fonctionnement, plus que le mécanisme de fonctionnement de Dansa. Dansa, je ne l'ai pas fait de préjugés et je ne le connais pas. Mais tu me dis Dansa et Maître Béa, je vais prendre Maître Béa en connaissant Maître Béa, le parcours qu'il a fait à tous les prisonniers politiques. Okay. On et ce qu'il a fait pour sa patrie. Donc, on évolue. Voilà. Monsieur Tola, bienvenue et merci. Le débat est très intéressant, vraiment. Il y aura un retour de débat où je vais être invité, qui va me donner aussi la force de dévoiler beaucoup de choses. Okay? Bien sûr, bien sûr. On va parler encore de l'histoire de la Guinée parce que les Guinéens sont divisés. Parce que je trouve que la majorité des Guinéens connaissent pas l'histoire de la Guinée. Et M. Tola,
on va vous écouter aussi parler de l'histoire de la Guinée. Parce que sans l'histoire de notre pays, on ne peut pas être guidé. On ne peut pas avoir l'amour des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Et on va vous écouter parler de l'histoire de la Guinée. Pourquoi tant de divisions? La cause? Et quelle pourrait être la solution de réconcilier les Guinéens et Guinéennes? OK. Merci beaucoup pour cette pertinente question. Je m'attendais à ce qu'on parle un peu aussi de ces coups d'État qui se déroulent dans la région, mais je vais profiter en faire pour faire la même chose. C'est pas du tout grave. On va parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. Vous savez, la Guinée, c'est ce pays qui a obtenu son indépendance en 1958. Avant, ça s'appelait les Rivières du Sud. Ça, vous connaissez bien. Et la Guinée fait partie de ces pays de la sous-région ouest-africaine. Le Sénégal, la Gambie, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et j'en passe. Mais si on essaye de prendre aujourd'hui au niveau de l'actualité ces coups d'État, et en même temps aussi on parle de ces réconciliations, il y a un fait très intéressant qui fait la connexion entre les deux. C'est-à-dire qu'au-delà que les pays-là ont pour en commun l'histoire, la géographie d'abord, c'est-à-dire que si nous regardons la Guinée et le Mali, on disait que ce sont deux poumons au sein du même corps, n'est-ce pas? Ouais. Alors, figurez-vous que si nous faisons un retour en arrière, disons 200 ans en arrière, si je ne m'abuse, oui, 200 ans, parce que est-ce que vous connaissez la date à laquelle Samori Touré a été arrêté? Pardon? Est-ce que vous connaissez la date à laquelle M. Samori Touré a été arrêté? Non, tu peux dire. M. Samori Touré a été arrêté en 1898. Ça, c'était okay. la date de son arrestation. Ce qui veut dire que ça fait plus de 200 ans depuis que ce résistant a été arrêté. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi je suis en train de prendre l'histoire à ce niveau? Ce n'est pas fortuit. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est parce qu'on dit que la Guinée est une famille. Ça, c'est chanté dans plusieurs débats, les artistes en parlent. C'est dans la tête des gens que, oui, la Guinée, c'est une famille. La Guinée, avant d'être une famille, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, saviez-vous que c'était le même pays? Oui. Oui. Si vous saviez que c'était le même pays, alors vous me rendez la tâche facile, qui est celle que je vais ouvrir pour comprendre que cette division que nous avons aujourd'hui, c'est le fait de certains individus. Je ne dirais pas forcément les politiques, hein, parce qu'avant que les politiques se mettent dans la danse, il y avait aussi ces individus-là, ces dirigeants, ces chefs qui étaient en train de nous piloter. Excusez, hein. Est-ce que vous continuez toujours de m'entendre? Oui, je vous reçois très bien. Voilà, donc je disais que ce n'est pas pour rien que j'ai pris M. Samori Touré. M. Samori Touré, c'est d'abord ce résistant africain qui a résisté à la pénétration coloniale pendant 17 ans. Ça, c'est d'abord un mérite qu'il faut lui souligner. Ensuite, M. Samori Touré est celui-là qui avait fait la résistance sur trois pays. La Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Je vais revenir là-dessus et faire un commentaire et je vous prierai vraiment d'être patient pour vraiment voir la genèse et comprendre que cette division que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas du tout fortuite, mais elle n'est pas du tout un fait anodin. Le troisième mérite qu'on peut aussi attribuer à M. Samori Touré, c'est d'avoir été ce résistant qui a développé sa propre tactique de guerre, c'est-à-dire cette tactique de la terre brûlée. Vous en connaissez, n'est-ce pas? Oui. Ça continue d'être utilisé aujourd'hui, hein, plus de 200 ans après, les grandes nations de guerre l'ont utilisé, c'est-à-dire c'est de créer le vide devant l'ennemi. Mais si nous parlons de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que c'est l'actuelle Côte d'Ivoire dont on parle simplement, c'est-à-dire ce territoire géographique où il y a le drapeau actuel, l'orange, le brun et le vert, est-ce que vous pensez que c'est ça? La réponse non, à l'époque,
C'est non. À l'époque, il y avait la Côte d'Ivoire et le Burkina qui étaient le même pays. Voilà, justement. Donc, la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce n'est pas pour rien aujourd'hui que l'actuel président de la Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, est accusé d'être un Burkinabé. C'est parce que ces deux pays-là avaient tellement de liens historiques, politiques et géographiques que les uns partaient dans l'autre sans qu'il y ait de barrage, sans qu'il y ait de frontières. C'était le même pays. À l'époque, là, je parle de l'époque avant les tracés coloniaux. Vous comprenez? Jusqu'ici, on se comprend. Le Mali dont on parle, malgré sa taille géographique, il ne s'agit pas aussi du Mali actuel. Parce que vous savez que le Mali, c'était à la fois le Sénégal, le Mali et le Soudan. Ça aussi, j'espère que vous le connaissez. Et la Guinée dont on parle, parce qu'on a dit sur trois pays qu'il avait fait la résistance pendant 17 ans dans ces trois pays, la Guinée aussi ne s'agit pas de la Guinée actuelle. Il s'agit de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Ouais. Donc, vous voyez que c'était un vaste ensemble plutôt que simplement de dire que la Guinée était une famille, la sous-région, c'était un pays. Je voudrais d'abord qu'on commence là pour qu'on comprenne que aujourd'hui, les Guinéens ne doivent pas simplement se regarder en tant que Guinéens tout seuls, tout court, mais les Guinéens et tous les pays aujourd'hui qui sont victimes de coups d'État doivent savoir qu'à un moment donné, c'était la même nation, c'était le même pays, mais avec des tribus différentes, bien sûr. Maintenant, revenons à la Guinée. Lorsque Samori Touré, en faisant sa résistance, est allé vers la Guinée, il s'est croisé avec un autre résistant africain qui est Alpha Yaya Diallo et Boubacar Biro. Ils sont deux. Ces deux-là s'étaient rencontrés dans une zone en Guinée qui s'appelle Dabola. Je pense que là, ça te concerne. Ouais. C'est le centre de la Guinée. C'est le village, si vous me permettez, c'est le village qu'on appelle Ndema. Ndema. C'est quoi la signification de Ndema? Ndema, je pense que c'est un poulard. Bon, je ne sais pas, mais je pensais que puisque vous avez donné la localité, que vous pouviez oui, aussi que nous féliciter à ce moment. Ouais, nous allons poser la question à ceux qui sont en train de nous regarder. Les abonnés, Ndema signifie quoi? Ndema, c'est un petit village, une sous-préfecture de Dabola, qui est le centre de la Guinée. Mais je ne sais pas c'est quoi la signification. Il y a une borne là. Voilà, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Dabola, en plus d'être le centre de la Guinée, régorge toutes les ethnies de la Guinée, particulièrement ou majoritairement les Peuls et les Malinké, dans cette ville en particulier. Et pour matérialiser cette rencontre et ce pacte entre ces deux résistants qui avaient en commun la pénétration coloniale, les deux avaient créé une ville qui s'appelle toujours Kankalabé. Kankalabé, c'est en fait les deux, c'est la fusion de la ville de Kankan et de l'Abbé. Donc on comprend bien que Samori à l'époque se disait être son représentant du Mandeng. Donc le Mandeng, ça s'étendait jusqu'à ces pays dont je vous ai parlé. Et le Fouta aussi, c'était du Niger jusqu'au Fouta Diallo. C'est de l'histoire, et ce que je suis en train de dire. Les gens pourront facilement faire la vérification ou me démentir. Mais les deux, pour sceller cette alliance des deux ethnies, avaient créé cette ville où ils s'échangeaient des produits et des marchandises. Ouais. Est-ce que vous saviez, par exemple, que vous connaissez comment on appelle Ami Ampoula? Comment on appelle attends, je me rappelle du mot c'est Ngatigi. Ngatigi. Voilà. Ouais. Maintenant, vous êtes Malinké. Ngatigi, ça ne vous dit rien? On enlève le Ngatigi. Prononçons le mot tel qu'il est à l'origine. Ngatigi. Qu'est-ce que ça signifie? Ngatigi, en Malinké, c'est quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous accueille. C'est quelqu'un qui nous reçoit vraiment. Souvent, quand un étranger vient, c'est quelqu'un. La personne qui
reçoit l'étranger, puis qui fait du bien à l'étranger. C'est ça, votre Yatim. Bienfaiteur, c'est votre hôte. C'est lui-là qui exact. Vous donne le gîte et le couvert. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Retenez ce mot. Hein. Pourtant, il est employé en poulal pour dire mon ami. Ouais. D'accord. Denabo, c'est du malinqué. Qu'est-ce que ça signifie? C'est donner le nom à l'enfant. Den, c'est l'enfant, non? Nabo, qu'est-ce que ça signifie? C'est le baptême. C'est sortir le nom de l'enfant, en fait. De l'enfant, Littéralement, c'est ce que ça veut dire. En poulard, on emploie ça pour parler du indebobo. En réalité, c'est indebobo qui doit être dit. Pourquoi je vous sors ces deux mots? C'est parce que ces deux ethnies aujourd'hui qui se disputent au niveau de nos sociétés, ouais. à qui on attribue une opposition aussi. Aujourd'hui, très ravi, vous êtes un Condé, moi je suis un Ba. Mais est-ce que vous saviez aussi que depuis la Guinée, et la Guinée, je vais revenir sur ce que j'étais en train de développer tout à l'heure, est-ce que vous connaissez qu'au niveau des ethnies, il y a ce qu'on dit le Sanakuya, c'est-à-dire le cousinage par parenté, cette plaisanterie entre les deux. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un Ba a son équivalent chez les Soussous, les Forestiers et les Malinké, Camara? C'est-à-dire que plutôt Silla, mais que en termes de cousinage, lorsque le Ba est en cousinage avec le Diallo, c'est la même chose entre le Silla et le Camara, et les deux se font aussi des regroupements par position qui fera qu'un Ba, par exemple, et un Silla se mettront du même côté pour combattre, entre guillemets, ce Camara et ce Diallo. Vous le connaissiez. Mais regardez là où c'est très intéressant. Vous saviez aussi que depuis la Guinée est dite Guinée, je ne parle pas de M. Mamadi Doumbouya et je ne sais pas son cas, je ne parle pas aussi du cas de M. Le général Konaté. Je ne connais pas l'équivalent de Konaté ni de Béavogui parce que nous avons eu aussi M. Lansana Béavogui comme président, même si c'était pour 7 jours. On dit que les Touré, c'est l'équivalent des Ba. Le deuxième président en Guinée, c'est un Conté. Chez les Soussous, on dit que les Conté, c'est l'équivalent des Ba. Donc, vous comprenez jusqu'ici, ce sont les Ba qui ont gouverné. Ensuite, il y a eu un seul Diallo qui était Dadis Camara et vous connaissez que son règne n'a pas du tout duré. Ça, c'est pour plaisanter que je suis en train de le dire. Monsieur Konaté, je ne sais pas. Mais après ça, Monsieur Alpha Condé, quand il est venu, il paraît que les Condé aussi, c'est l'équivalent des Ba. Ça, nos aïeux ont fait ça pour qu'il y ait ces plaisanteries entre les sociétés, entre les ethnies, entre les familles, pour ne pas qu'il y ait de tension. Aujourd'hui, cela est ignoré. On a créé une tension artificielle, une opposition, une haine entre les ethnies, tout simplement pour nous affaiblir. Maintenant, je vais revenir sur les deux mots-là que j'avais dit. Est-ce que vous connaissiez que, et ça je le tiens d'un sage qui m'en a parlé, que j'essaierai d'ailleurs d'inviter ici, il m'a expliqué que dans la tradition entre les Peuls et les Malinké, quand un Peul se déplaçait vers une région où il est hôte, où il est étranger, il avait de coutume de demander la case du Malinké parce que c'était ce Malinké-là qui devait l'héberger. Est-ce que vous le saviez? Oui, l'histoire voilà là, Voilà pourquoi on a parlé de Yatigi. Donc, son ami dans tel village, c'était le Malinké qui avait l'obligation de l'héberger si toutefois il n'avait pas un endroit où se coucher. Et pour ne pas vous couper, comme on cause en privé, je t'ai dit ça, le mot Yatigi, un jour, j'ai demandé à mon père. Tu sais, mon père, il parle poulard très bien. À chaque peul dont mon père fait des achats, il l'appelait Yatigi. Un jour, j'ai demandé à mon père, mais tous les peuls sont en Yatigi. Yatigi veut dire quoi? Évidemment, c'est l'histoire-là qu'il m'avait racontée. Donc, tu peux continuer. OK. Et tu savais que lorsque le peul a été en train de se déplacer, il se déplaçait avec son troupeau ou bien avec son bétail. Ouais. Lui aussi, la tradition, c'était que quand il venait pour être hébergé chez son Malinké là, il lui donnait une vache. Est-ce que tu connaissais ça aussi?
C'est-à-dire, la tradition, lui, s'il venait, ce malinqué, non seulement devait l'héberger, devait lui donner un territoire où il pourrait faire paître son bétail, mais qu'en échange, pour montrer lui aussi la reconnaissance de l'accueil qu'il a eu, il donnait une vache à ce malinqué qui l'utilisait pour lui aussi fonder son troupeau. Ça, c'était la tradition. Et lorsqu'est arrivé le moment de ce peul, de se déplacer, aller ailleurs, le malinqué lui donnait comme cadeau de départ des morceaux d'or. Est-ce que vous le connaissiez? Très bien. On avait parlé de l'histoire là. Ce n'est pas pour rien que j'ai sorti ça. Parce que dans l'histoire de la Guinée, dans l'histoire récente d'ailleurs, j'ai été très abattu d'apprendre que le bétail de certains peuls ont été abattus, déchiquetés, égorgés violemment dans des zones supposées être des zones de malinqués ou de gens de forêt. Ça, c'était très regrettable. J'ai quelque chose à te dire. Et les abonnés, ils ne comprennent pas quelque chose. Je vais leur expliquer. Les abonnés, on a invité Tola parce que ceux qui ne comprennent pas, Tola, il est bon dans l'histoire. On se parle en privé. On partage beaucoup de choses. Et le but, non seulement son savoir dans l'histoire, c'est de partager ça avec vous. C'est d'où l'invitation de Tola. Le débat devrait se passer sur la page Madik sans frontières. Ce n'est pas un combat entre Madik et Tola. C'est de partager à chaque fois qu'on cause en privé, il y a des choses très intéressantes. Non seulement que j'apprends de Tola, Tola apprend de moi, on met ça sur les réseaux sociaux. Et c'est pour vous dire, le but c'est ça et c'est toujours fait exprès. Et quand on dit débat, c'est normal que je dis, il y a des parenthèses, il y a des aspects, je dis, Tola, je suis en désaccord, pour qu'il rentre dans les détails. Le but du débat, c'est ça, chers abonnés, et c'est un grand plaisir pour nous. Parce que si on partage ça juste en privé, les abonnés ne seront jamais au courant. Il y a des choses que Tola m'a dit dans l'histoire, je dis, Tola, ça, il faut toujours partager ça avec des Guinéens. C'est ça notre combat, c'est ça notre but. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires qui se complètent pour vraiment conscientiser le peuple. Donc, ressaisissez-vous, vous allez comprendre et écoutons-nous ensemble. C'est tout le monde qui apprend. Continue, mon cher. Voilà. Donc, à ce niveau, non seulement j'ai parlé de cette coutume que ce peuple-là avait envers son bienfaiteur accueilleur, qu'il accueille, mais aussi, après le séjour, quand ce peuple-là devait se déplacer, ce malinqué lui donnait un morceau d'or. Ça, je ne connaissais pas son volume. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui signifie siaké? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, siaké, en malinqué, on dit noumou, on dit forgeron. Oui, on dit siaké, siaké. C'est comme un forgeron. On dit aussi noumou, forgeron. Siaké et noumou, c'est toutes des forgerons. Siaké, oui. Voilà. Chez nous, le siaké, c'est ce bijoutier. Il doit manier l'or pour en faire des bijoux. Ouais. Il y a une zone au Fouta, à Pita. C'est le bastion par excellence des siaké. Ça s'appelle Diongasi. Diongasi, c'est malinqué. C'est Diongasi. Parce qu'entre le peuple et le malinqué, dans le cousinage, là, l'un appelle l'autre mon captif. Oui. Plagion. Maninkadion. Vous l'entendez souvent, non? Oui. Voilà. Or, nous sommes tous des esclaves de Dieu. Vous connaissez aussi le mot wasolonke, les wasolons. Vous connaissez qu'en poulard, le secours s'appelle Solon. Est-ce que vous le connaissez par exemple? Ça, je ne savais pas. Quand il y a un enfant qu'on est en train de battre, par exemple, vous allez entendre les gens dire Solnanemo, Solnanemo, Adde Solon. Donc, les Wasolons, les peuples du Wasolon, en réalité, c'était cette contribution du Fouta
à l'Allemand Missa Amori pour qu'il puisse résister à la pénétration coloniale. Donc, c'était les gens qui devaient venir intervenir en appui. Pourquoi je suis en train de sortir ça là, c'est pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, répondant à votre question, c'est intéressant. Et les deux ethnies, les Malinkés et les Peuls aujourd'hui qui constituent l'un de nos problèmes en Guinée, sont en train de faire cette opposition, cette tension artificielle, alors que ça devait être ceux-là qui devaient s'entendre le plus. Je ne sais pas si on comprend en fait le but de cet échange que nous sommes en train de faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle de Guinée comme étant une famille, mais des individus malsains, des malins, ont utilisé justement pour pouvoir s'installer, pour pouvoir en fait diriger ou pour pouvoir régner sur d'autres, ont entretenu en fait dans le conscient des Guinéens qu'aujourd'hui un Malinké, un Peul, ce sont des adversaires par nature. Or que nos aïeux, c'était ceux-là qui se comprenaient le mieux, qui se donnaient la main le mieux. Donc moi, je suis contre cette division aujourd'hui qui est en train de s'opérer d'abord en Guinée, mais aussi celle-là qu'ils veulent faire dans la sous-région, tendant à mettre Malinké, Dogon, Peul et je ne sais quoi en conflit. Ça ne va pas nous aider. Je sors du cadre de la Guinée pour dire que la Guinée, c'est une obligation que nous avons de faire le vivre ensemble, notre priorité. Ça ne veut pas dire que je suis en train de négliger le Soussou et le Forestier. Mais si les deux ethnies majoritaires là s'entendent, la tension va disparaître et vous allez voir que toutes les autres aussi vont vivre en harmonie. Ça, je ne parle même pas de la Basse-Guinée. Comment est-ce que là, tous nous avons été accueillis en Basse-Guinée, que ce soit Malinké, Forestier ou Soussou, ou qui que ce soit, ils ont été accueillis là. Et ceux qui les ont accueillis, ce n'étaient pas des Soussous. Hein. Je ne sais pas si aussi ça, tu le savais. C'était des Tchapi, c'était les Migiforé, c'était les Baga. Mais ceux-là, aujourd'hui, sont silencieux. Hein. On les oublie même, on ne parle même plus d'eux. Il y a même aussi les Lélés aujourd'hui en Guinée qu'on n'entend même pas parler des Lélés. Est-ce que vous comprenez? C'est une ethnie qui vient vers la forêt aussi, qui existe. Ils sont minoritaires. On n'entend même pas parler de ça. Et aujourd'hui, M. Tola, selon vous, c'est quoi la solution aujourd'hui pour que les Guinéens vivent ensemble? La solution d'abord pour que les Guinéens vivent ensemble, c'est d'avoir tolérance. C'est d'être tolérant. Ça, c'est la première des choses. Sans la tolérance, on ne peut pas du tout voir plus loin que notre nez. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez en train de dire une chose qui est en contradiction avec moi, ma position, lorsque vous étiez en train de parler de M. Dansa Kourouma. Mais est-ce que pour autant, je me suis enflammé pour vous dire que vous n'avez pas le droit de l'aimer ou de le défendre ou de dire que pour vous, c'est une bonne personne? Je me suis tué, je vous ai laissé parler. Lorsque j'étais en train de critiquer M. Dansa Kourouma pendant une longue période de notre discussion ici, vous n'êtes pas enflammé, vous ne m'avez pas interrompu, vous m'avez laissé continuer. Ça, c'est parce que vous avez fait preuve de tolérance, n'est-ce pas? Ouais. Donc, cette tolérance-là doit d'abord être celle qui doit nous guider en tant que Guinéens. Vous comprenez? Lorsque moi, par exemple, je suis en compétition avec quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que moi, que je vois que cette personne-là a une position qui n'est pas celle qui, moi, me convient, je dois l'accepter et comprendre que c'est le choix de cette personne-là. Mais en même temps aussi, que cette personne-là comprenne, moi, mon choix et ma position, et qu'ensemble, on puisse vivre sans autant que nos différences soient nos différences. Ça, c'est un. Ensuite, vous avez parlé comme solution aussi l'amour. Ouais. Il faut qu'on arrive à nous aimer entre guillemets. Ouais. Et là, c'est valable d'abord dans les familles entre nous, avant d'aller dans les autres ethnies. C'est comme dans votre maison. Certes que lorsque vous avez été emprisonné, il y a certains membres de votre famille qui n'avaient pas accepté votre choix. Ouais. Mais est-ce que pour autant ils vous ont régné dans votre famille? Non.
Est-ce que pour autant, ils vous ont coupé la parole pour ne pas aller faire des démarches à la, en prison pour vous apporter, par exemple, à manger? Non. Est-ce que ceux-là, par exemple, qui avaient critiqué, qui avaient dit que vous n'aviez pas fait un bon choix, est-ce que quand vous êtes sorti, vous les avez traités comme étant un ennemi? Non. Voilà. Donc, non. Ça, d'abord, dans les familles, il faut qu'on s'accepte avant même qu'on ne parle de parler, ou de, avant qu'on ne parle des voisins. Donc, pour moi, c'est important la tolérance, l'acceptation et l'amour. Ensuite, pour qu'il y ait la stabilité dans notre pays, il faut qu'il y ait la justice. Et pour moi, c'est important. Je pouvais même commencer par cette justice-là. Cette justice-là, qui est celle qui doit guider les personnes, qui savent que oui, de mon cas, il y a eu des gens qui ont fait des choses mauvaises, qui doivent aujourd'hui se repentir et demander pardon. Ça, sans la justice, ça ne peut pas se faire. Et justement aussi, celui qui a subi le tort puisse comprendre qu'il y a la justice qui doit être faite, mais pour qu'on puisse évoluer, il faut qu'il y ait le pardon. Mais le pardon ne peut pas du tout être la première étape avant la justice. Parce que sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que celui qui a fait le tort aujourd'hui pourrait le faire demain, et celui qui a subi l'injustice aura le sentiment d'être toujours marginalisé et donc de se rebeller. Il aura toujours un sentiment de haine entre la victime et le bourreau. C'est important. Vous me permettez? Oui. Toi, là, j'ai remarqué quelque chose en Guinée. Je vais partager avec nos chers auditeurs. J'ai parlé avec, avant d'être arrêté, moi, je suis très curieux. Je suis comme toi. J'aime parler avec des vieux. Est-ce que vous comprenez? Je m'en suis rendu compte qu'il faire la justice en Guinée, je ne dirais pas que c'est impossible. Mais M. Tola, c'est très complexe. Je vais m'expliquer. Ça ne serait pas long. M. Tola, il y a des Guinéens qui ont déjà fait du mal dans le passé, aujourd'hui, qui ont lavé les mains, qui sont dans un camp supporté par la population. Et la population ignore que dans le passé, ces personnes-là ont fait du mal et il n'y a pas eu de justice. C'est qu'en fréquentant d'autres personnes, d'autres sont en prison, d'autres sont dehors, j'ai compris que c'est très complexe parce que en faisant les jugements, ça va toucher quelqu'un. Il n'a pas fait le crime aujourd'hui ou devant au temps de notre génération. Il l'a fait ou au régime de l'Ancien Comté ou au régime de Dadis aujourd'hui qui ont lavé les mains. Mais moi, je veux savoir, M. Tola, est-ce qu'il y a possibilité, si en Guinée nous devons faire la justice, ça doit être fait, commençant par quel régime? Et très bonne question. Je peux vous répondre en vous donnant d'abord quelques exemples. D'ailleurs, autant graves ou plus graves que les nôtres. Ouais. Vous connaissez, allons d'abord dans le monde en Europe, le massacre des Juifs. Ouais. Il y a eu un procès, n'est-ce pas? Ouais. Hitler et tous ceux qui l'avaient aidé ont été jugés, condamnés, n'est-ce pas? Ensuite, revenons en Afrique. Pour parler, par exemple, du Rwanda. Il y a eu un génocide de combien de morts au Rwanda? C'était des populations de même pays qui se sont levées un bon matin avec des haches, avec des coupes-coupes, qui se sont mises à s'entretuer. Mais lorsqu'ils ont décidé d'aller de l'avant, ils ont instauré ce qu'ils ont appelé un dialogue national. Ce sont assis, ceux-là qui ont été incriminés ou bien inculpés, ont répondu de leurs actes. Comme vous avez dit, c'est complexe. Aujourd'hui, les familles sont mélangées. Aujourd'hui, il y a eu un changement de position, de camp. Ceux qui étaient les bourreaux sont les victimes, ceux qui étaient les victimes sont les bourreaux. Mais toujours est-il qu'il y en a qui ont été des victimes depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que le premier régime, parce que vous avez posé cette question, sur quel régime on doit commencer, le premier régime du PDG RDA
a fait du tort à toutes les ethnies de la Guinée, y compris des membres de son ethnie. Mais il y a une majorité qui était là, qui avait subi. Ensuite, au régime de Sékou, de Conte Pluto, ceux-là qui étaient supposés être les bourreaux d'hier se sont retrouvés être aussi, eux aussi, des victimes. Ouais. Majoritairement. N'est-ce pas? Regardons les deux majorités maintenant. C'est-à-dire, il y a une majorité au premier régime, il y a une majorité au deuxième régime. Ouais. Si on essaye de faire le procès de ces deux régimes, on sait vers lesquels on doit aller. C'est simple. Ensuite, il y a eu le régime du CNDD, qui était un régime de transition. Ensuite, le régime de Alpha. On sait que là, dans ces trois régimes, dans ces quatre régimes-là, comme je vous ai dit, il y a toujours une partie qui s'est retrouvée être toujours parmi les victimes. Est-ce que c'est d'autant difficile de commencer par ceux-là, le dénominateur commun, qui s'est retrouvé comme par hasard parmi tous les régimes et de leur demander pardon après que justice ait été faite? Voilà pourquoi, quand on était en train de parler, j'ai parlé de Sékou Touré. J'ai dit que les victimes du camp Boaro, aujourd'hui, en attendant qu'il y ait un procès, qu'on sache situer les responsabilités, on ne devait pas du tout rebaptiser cet aéroport au nom de celui-là qu'on estime être, d'ailleurs qu'on sait être, le président de ce régime qui a englouté, qui a tué plusieurs Guinéens, des cadres pour la majorité, des civils, des militaires, de tous les corps de métier. Donc, encore une fois, en un mot comme en mille, je pense que s'il y a la volonté politique, un procès en Guinée est facile à faire. D'ailleurs, est-ce qu'il convient ou est-ce que c'est utile de dire qu'aujourd'hui, ces victimes-là n'affichent pas du tout un air de vengeance ou bien un air revanchard ou de rancune pour ne pas du tout pardonner? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces victimes-là ne seront pas du tout en mesure de pardonner si toutefois ceux-là qui ont commis le tort reconnaissent en toute sincérité et que justice soit faite? Est-ce que vous pensez que cela est impossible? Ma réponse est non. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pour c'est moi, pas impossible. C'est possible de faire un procès. C'est possible qu'il y ait la justice et c'est possible qu'il y ait le pardon. Parce que justement, j'ai dit que la Guinée, c'est une famille. Et en famille, on arrive toujours à se retrouver et de trouver une entente entre nous. Ça aussi, c'est le problème. Regarde, c'est jamais impossible. Mais ce taux-là, c'est tellement complexe. Si je vous donne l'exemple aujourd'hui, on est en transition, M. Tola, OK? Déjà, je trouve que un gouvernement de la transition, ça n'engage que moi, ne peut pas faire d'audit, ne peut pas faire justice. Moi, je trouve. Parce que les jugements, ce n'est pas faire l'audit vraiment dans un pays, tout ce qui s'est passé en Guinée, je pense que ça peut prendre des années. Est-ce que vous comprenez? Moi, personnellement, je trouve que pour vraiment faire l'audit digne de ce nom en Guinée, c'est quand on va avoir un régime vraiment légitime qui a un mandat de 5 ou 6 ans. Est-ce que vous comprenez? Personnellement, et ce n'est pas impossible, je suis d'accord avec toi, mais c'est complexe. Et toi là, après les élections, après la transition aussi, tu sais comment on va se retrouver? Il y a d'autres qui ont fait du mal, qui vont se retrouver dans le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Dans le futur gouvernement. Et est-ce qu'une fois ces personnes-là sont dans le futur gouvernement, est-ce qu'il y aura la possibilité de juger ces personnes? Parce qu'on a vécu la même chose avec le gouvernement Alpha. Moi, je connais des personnes qui ont commis des crimes et qui étaient dans le gouvernement. Et on n'a pas pu les juger. Justement, vous faites bien de mentionner que des gens se retrouvent dans les différents gouvernements alors qu'ils sont reprochés de quelque chose. Là est notre problème. C'est-à-dire que quand il y a eu le massacre du 28 septembre, M. Alpha Condé ne devait pas du tout nommer des personnes dont les noms sont cités au niveau de ce massacre du 28 septembre. C'est d'abord du mépris envers ceux qu'il a qui s'estiment être des victimes, mais aussi c'est un encouragement
comment on appelle ça, j'essaie toujours de trouver son mot, c'est une caution à l'impunité. C'est-à-dire, le faire, c'est de cautionner cette impunité et d'encourager à ce que d'autres aussi suivent le même chemin. Moi, je pense que lorsqu'une personne, et d'ailleurs, vous êtes en Occident, vous connaissez comment ça fonctionne, quand une personne est mise en cause, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Elle démissionne en attendant qu'il y ait justice. Ça, c'est du côté de la personne. Lorsque la personne s'entête à ne pas démissionner, ben c'est lui qui l'a nommé, la démet de sa fonction. Ça, c'est comme ça. Je prends l'exemple d'une éminente personnalité, Tariq Ramadan, qui est un prédicateur, qui est un chroniqueur religieux, qui parlait de la religion musulmane. Mais à un moment donné, quand il a été accusé d'avoir violé une femme, l'école, l'université qui l'employait, en attendant qu'il y ait la lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé de rester à la maison. Lui, d'abord, avant même que cette décision ne sorte, il avait, pour son image et pour ne pas ternir l'image de l'université, lui-même volontairement avait décidé de ne pas aller donner des cours en attendant qu'il soit blanchi. On connaît l'histoire après. Il a plaidé coupable, mais il avait dit que la femme était consentante. Mais d'abord, il y a des préalables, c'est-à-dire qu'un régime qui sait que des personnes ont été citées dans des malversations, dans des crimes, ce régime-là ne doit pas du tout coopter ces personnes en attendant que justice soit faite et que la lumière soit faite. Ces personnes-là aussi, même si elles avaient été appelées, doivent par rigueur envers elles-mêmes dire qu'en attendant que je sois blanchi, je n'accepte pas du tout d'être nommé. En Guinée, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pire d'ailleurs, vous allez voir que ces personnes-là vont narguer les victimes, vont aller à commettre des crimes pires que ceux dont ils sont accusés. Mais c'est quand même hallucinant, M. Kondé. Donc, vous comprenez que le crime en Guinée, c'est un crime d'État. Ce ne sont pas des personnes qui se lèvent comme ça pour aller attaquer d'autres. Ce ne sont pas des familles qui se lèvent à aller attaquer d'autres, si ce n'est que du fait de la manipulation de certains politiques qui instrumentalisent les gens dans leur propre but. Vous connaissez très bien entre les deux tours qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a eu cette fameuse rumeur d'empoisonnement de militants du RPG, et la suite, nous la connaissons. Il y a eu combien de victimes en Haute-Guinée? Combien de déplacés en Haute-Guinée? Ça, ce sont les politiques qui l'ont instauré pour la première fois, qui ont déclenché, et la population a suivi. Donc, aujourd'hui, les premiers responsables de tels actes, ce sont les dirigeants de l'époque. Et aujourd'hui, l'histoire, en fait, les révélations nous ont montré qui avait fait quoi, quand et à quel niveau. Donc, moi, pour ne pas qu'on s'étale, et là, nous sommes déjà pris par le temps, et il est temps qu'on essaye de clôturer, moi, je pense que la justice qui devait être la boussole, comme l'avait dit le colonel Lai Mamadi, doit être en action contre ceux-là qui ont commis des crimes de sang. Ensuite, les crimes économiques. Tout à l'heure, moi, je suis d'accord avec vous en partie lorsque vous dites qu'il n'appartient pas à une transition de faire la lumière sur toutes les choses qui se sont faites, mais il appartient à cette transition de poser les bases de ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'à l'image de cette constitution qu'ils doivent élaborer, ils doivent aussi asseoir les bases de ce procès contre les prédateurs économiques, mais avant eux, ceux-là qui ont commis des crimes de sang sur la population, dont ils ont la responsabilité de protéger. Moi, c'est ma lecture. Je partage l'avis, M. Tola. C'était intéressant le débat. C'est de dire à nos chers auditeurs, c'est très important de partager l'histoire avec vous parce que M. Tola, à chaque fois qu'on échange en privé, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. La volonté, c'est de partager ces valeurs-là avec nos auditeurs et les Guinéens et Guinéennes. Il faut que les Guinéens comprennent aussi, M. Tola. Oui, il y a des personnes aujourd'hui, M. Tola, qui sont très sensibles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à nous comprendre.
Il y a des personnes aujourd'hui, oui, ils ont une partie prise. Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ils vont trouver un problème ou un défaut. Tu vois ces pays-là, M. Tola, la Guinée, je vais te dire une vérité. J'ai peur pour l'avenir de ces pays, M. Tola. Est-ce que vous comprenez? M. Tola, il y avait des personnes dans ces pays en qui le peuple pouvait faire confiance. M. Tola, ces personnes-là ont trahi le peuple. Est-ce que vous comprenez? M. Tola, il y a des personnes en Guinée, ils ne sont pas affichés. Mais M. Tola, c'est les pires personnes en Guinée, M. Tola. Est-ce que vous comprenez? Un jour, quelqu'un, on a fait un débat, M. Tola, à la maison centrale. Quelqu'un dit, est-ce que ne pas dénoncer ces personnes? Il y a un vieux à la maison centrale qui dit, il ne s'agit pas de dénoncer. Avant de dénoncer, il faut voir, est-ce que la dénonciation, ça va faire un changement? Est-ce que ça va faire un progrès? Est-ce que la personne va changer aussi de façon de faire? Est-ce que vous comprenez? Parce que M. Tola, je ne vais pas à chaque fois, toute seule, je me pose des questions. Comment on peut faire comprendre ce peuple-là? Comment on peut guider le peuple-là vraiment? C'est qu'en leur montrant la vraie vérité, parce que M. Tola, Madik dit, les gens ne vont jamais probablement aimer Madik. Ce qu'on voit sur les toiles, dans les télé-réalités, partout, ce n'est pas ça les réalités de la Guinée. Ce qui se passe en dessous, M. Tola, moi, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, M. Tola, comment le Guinéen est mauvais, comment le Guinéen peut faire croire que c'est lui le champion, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus juste, c'est lui le plus honnête, mais dans l'ombre, il fait pire, M. Tola. Ça m'a tellement dépassé, M. Tola, même il y a 2 semaines, je me permets de dire son nom, M. Souleymane Kondé m'a appelé, on parlait en privé. M. Tola, des fois, on parle en privé, on se regarde, on essaie de trouver des solutions, hein. C'est que, mais à chaque solution, tu vas aux profondeurs, tu vas trouver que, ah non, il faut essayer de trouver un autre chemin parce qu'on est mal barré, M. Tola. Je ne vais pas me cacher du peuple, M. Tola. On est mal barré. On a plus d'individus mal intentionnés, de mauvaise foi. Billahi, aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui d'indexer. Il sait que beaucoup de bons Guinéens, il y en a, mais ils sont minoritaires, M. Tola. Et la bénédiction que je vais faire, que Dieu donne la force, amen, aux personnes de bonne volonté, de bonne foi, aider, guider ce peuple-là jusqu'à leur dernier souffle. Amen. Est-ce que vous, amen, comprenez? Amen. Donc, merci, M. Tola. D'abord, avant de clôturer, je vais vous laisser dire votre dernier mot, comme c'est vous l'invité. Après, je vais clôturer le débat. D'abord, c'est de vous remercier très sincèrement, parce que comme vous l'avez si bien dit, on échange de temps à autre. Et à chaque fois que nous échangeons, nous, ouais, trouvons beaucoup de points communs ensemble. Ouais. Même si nous avons certaines divergences, mais nous avons ce que nous avons en commun est plus intéressant que ce que nous avons en désaccord. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des désaccords que je considère. Ce sont des différences de points de vue. Point ce qui est inhérent, ce qui est d'ailleurs, ce qui constitue d'ailleurs la dynamique de l'évolution de toutes choses. Si vous êtes sur votre vélo, vous savez très bien que si vous êtes en train de pédaler avec un seul pied, le vélo n'ira pas. Quand vous avez le pied gauche en bas, il faut que vous ayez le pied gauche en haut. Ainsi de suite. C'est comme ça que la roue va tourner. Donc, je vous remercie pour cette initiative que vous avez prise de m'inviter ici. Je remercie vos abonnés. Je remercie nos abonnés des deux pages. Et j'aimerais vraiment vous remercier et vous féliciter pour l'engagement que vous avez eu. Certes qu'aujourd'hui, les gens vous l'oublient, mais moi, je n'oublie pas ce que vous aviez fait avant que nous venions dans les réseaux sociaux.
Ce que vous avez fait, que vous avez d'ailleurs payé au prix d'un emprisonnement, qui vous a coûté quoi, 8 mois, 9 mois, ce n'est pas 9 semaines, encore moins 9 jours. Et si au finish, vous avez dû faire des concessions pour sortir, c'est parce que vous étiez pris dans la gueule du loup. Il fallait trouver le moyen intelligent pour vous en sortir. D'autres vous diront que Infonike Menge avait résisté, certes, comparativement à vous. Mais chacun avec sa position. Comme je disais tout à l'heure, que nous devons respecter, il faut que nous soyons tolérants. Vous étiez de l'extérieur, vous connaissiez combien de fois il y avait des pertes que vous étiez en train de subir. Votre entreprise, beaucoup de choses, vous avez une famille, vous avez des enfants que vous ne voyez pas, qui vous manquent. Je ne suis pas en train de vous de prendre votre défense, je suis juste en train d'expliquer ce que vous, peut-être, vous avez expliqué que les gens n'ont pas compris, mais, ou bien que vous n'avez pas voulu expliquer, que moi, aujourd'hui, il est de mon devoir de l'expliquer. Vous êtes une idole pour beaucoup de gens. Et vous savez très bien qu'il y a même eu des personnes qui ont divorcé à cause de vous. L'histoire, elle est longue, mais il y a eu un couple où la femme a insisté de garder votre image parce qu'elle ne voulait pas du tout enlever votre image et, et l'époux n'a pas du tout toléré cela, estimant que c'est ce qui vous liait à cette femme, vous allez au-delà de l'activiste que vous étiez. Ça, je sais que vous êtes conscient de ça et que vous devez savoir être quelqu'un de tolérant et d'avoir le dos large. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui des gens vous critiquent que vous devez renier le combat et vous dire que les gens ont été ingrats. Ça, c'est un conseil que je vous donne. J'ai d'abord parlé aux abonnés qui sachent que ce que vous aviez fait, c'était ce que vous avez estimé à l'époque être bon pour vous. Aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez que ceux-là qui vous critiquent ne vous critiquent pas forcément peut-être parce qu'ils ont une dent noire contre vous, mais c'est parce qu'ils avaient pensé qu'au moment de la lutte, l'acte que vous aviez posé aurait pu impacter négativement la lutte et que c'est à cause de ça qu'ils ne voulaient pas vous voir à ce niveau. Le tort ne se trouve ni à droite ni à gauche, ça se trouve dans nos façons de lire. Si nous changeons nos lunettes, nous allons voir que la lecture est la plus lisible. Donc je ne vais pas trop parler sur ce sujet, mais j'invite tout le monde aujourd'hui à se donner la main. Vous, Madi Kondé, moi, toi, là-bas, je sais que nous sommes Guinéens. Ça, c'est d'abord. Hein? Nous sommes tous activistes. Ça, c'est deux. Nous avons en commun notre volonté que notre pays, et nous en avions parlé un jour, que nos enfants et les enfants de nos enfants sachent que nous avons un pays d'origine, d'où nous sommes venus. Et que ces enfants-là aient la volonté et l'excitation d'aller dans ce pays-là, parce qu'ils entendent que dans ce pays-là, il faut bon vivre. Il fait bon vivre et qu'on ne reste pas éternellement des diaspos dans ces pays-là. Nous avons aujourd'hui le minimum qu'il nous faut. Nous sommes dans le beurre et dans le coton. Nous sommes bien traités. Mais on aimerait aussi que dans nos pays, que les gens soient mieux traités, si ce n'est que la même chose que nous avons aujourd'hui. Et cela, pour que cela arrive, il faudrait que nos dirigeants voient plus loin, qu'ils soient visionnaires, qu'ils ne pensent pas qu'à eux, mais qu'ils pensent aux générations futures, parce que c'est ce qui doit rester. Abraham Lincoln, en faisant la Constitution américaine, en faisant l'État d'Union, n'avait pas regardé l'époque dans laquelle ils étaient. Ils ont regardé les États-Unis au-delà de l'époque où ils étaient. Ils ont été visionnaires. Aujourd'hui, quand vous entendez l'Américain dire qu'il est fier, c'est parce que les devanciers ont fait des bétons solides pour qu'ils puissent bâtir un pays fort aujourd'hui que sont les États-Unis. La France, c'est pareil. Quand il y a eu la Révolution française, c'est parce qu'ils ont trouvé que les dirigeants à l'époque n'étaient pas en train de faire ce qui était bon. Et donc, ils ont pris des dispositions afin que le peuple, la nation, le territoire qu'ils doivent construire soit un territoire durable. Merci encore une fois pour cette invitation. Vous avez la parole. Et nous sommes à chaque fois que vous le souhaitez. Merci, M. Tola. Merci. C'est très apprécié, mon cher. C'est très touchant, vraiment, venant de toi, vraiment.
Je vous rassure une chose, je n'ai pas de rancune, monsieur Tola. Vous avez mentionné quelque chose de très important. J'ai le dos large. Si vous avez remarqué, j'ai été l'un des activistes le plus attaqué sur les réseaux sociaux. Quand je suis allé dans l'UFDG, les malinqués m'ont attaqué, les communicants du RPG m'ont attaqué. J'ai encaissé. Quand j'ai arrêté le combat, certains militants de l'UFDG et communicants m'ont attaqué. J'ai encaissé le coup. Tu sais, M. Tola, vous êtes croyant. Tu sais pourquoi aujourd'hui je suis vraiment bien, j'ai l'esprit tranquille? Parce que je ne me reproche rien. Est-ce que vous comprenez? Et je marche tête haute. Je ne dois rien à personne. Je ne réclame rien à personne pour faire ce combat. Est-ce que vous comprenez? Dans les deux sens. Je n'ai pas voulu prendre ce que M. Alpha Condé voulait me donner pour trahir le peuple. Dieu, ce jour-là, c'est Dieu, moi et M. Alpha Condé qui étaient là-bas. L'avenir nous dira. Et M. Selouda Lendiallo, il est vivant. Je ne l'ai jamais conditionné pour que je me bats. Il est vivant aujourd'hui. De toute façon, quand on est affiché, c'est dans l'assiette de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et merci encore, hein, vraiment, merci. Les gens confondent toujours les prisonniers, comparer les prisonniers. On n'avait pas les mêmes chefs d'accusation. On n'avait pas les mêmes réalités. On n'avait pas les mêmes partis politiques. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous rassure une chose. Toute personne qui pense qu'ils m'ont attaqué et demain qu'ils voient la vérité, moi je leur pardonne, M. Tola. Je leur pardonne. Nos confrères, nos amis, d'autres influenceurs qui m'ont attaqué, tu me connais, hein? C'est grâce à toi même, j'ai communiqué avec Fama, tu as été même surpris. Est-ce que vous comprenez? Tu m'as connu depuis qu'on est rentré en contact. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancune. Tola, c'est Tola, Madik, c'est Madik. Et ce qui joue sur moi, je ne peux pas faire le semblant. Tola, un jour, il y a un membre de l'UFDG qui dit, il dit, Madik, il ne fallait pas démissionner quand tu es venu, il ne fallait pas arrêter le combat. On voulait t'aider. C'est ce que je dis à la personne. Je dis, c'est ça qui joue sur vous. Les gens qui font semblant avec vous, vous êtes toujours avec ces personnes-là. Je dis, je ne peux pas faire le semblant. Toi, là, ce que je te dis, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes. Et toi, là, je t'ai dit une fois, face à face avec toi, tu amènes le Saint-Coran, Monsieur Selou. Moi, je mets ma main sur le Saint-Coran. Ça ne m'est jamais traversé à l'esprit de trahir ce grand homme. Et je ne suis pas élevé dans une famille de trahison. Mon père a fait 35 ans de sa vie avec M. Alpha Condé. 35 ans. 35 ans de sa vie. Est-ce que vous comprenez? 35 ans de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Je sais c'est quoi les personnes loyaux. Est-ce que vous comprenez? Les Guinéens, aujourd'hui, par sentiment, ils peuvent agir sous l'émotion. Est-ce que vous comprenez? Mais M. Tola, je n'ai rien regretté dans mon expérience. Je vais continuer à apporter mes graines de sel selon mes moyens, selon mes capacités pour ce peuple. Je vais continuer à dire à chaque occasion, comme aujourd'hui, à dire ce peuple que Dieu leur protège. Amen. Que Dieu bénisse la Guinée et tous ses enfants de loin et de près. Allah. Jamais je vais être rancuné contre quelqu'un et j'ai le dos large. Il faut leur dire le pardon appartient au bon Dieu. Moi, je leur pardonne et qu'ils me pardonnent aussi. Ceux qui ont pensé que j'ai trahi, je n'ai pas trahi. Je ne me justifie pas. Je vous rassure, ceux qui ont dit que j'ai abandonné le combat, ce n'est pas un abandon. J'ai reculé. C'est normal. J'ai arrêté. C'est normal.
m'occuper de ma vie. Toi, là, ce qui est très important dans ça, je porte ce pays-là dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis un citoyen canadien. Je suis heureux. Je peux faire toute ma vie ici, sans passer par Guinée. Je manque rien au Canada. Mais quand je pense à l'avenir de nos enfants, quand je pense aux familles pauvres qui sont aujourd'hui en Guinée, quand je pense aux familles des victimes aujourd'hui qui n'ont pas de défense, ça me donne encore le courage d'être là, d'être présent. Sinon, je suis fatigué, M. Tola. Et vous avez cité, vous avez signalé quelque chose. Les personnes qui ont eu des problèmes à cause de Madik, les personnes qui m'ont soutenu, les personnes qui ont été là, les personnes qui ont fait de moi qui je suis, à chaque fois que je reçois des messages de ces personnes, je me dis une chose. Dieu a fait de moi qui je suis pour ces personnes. Et il faut leur dire, je veux toujours être là pour ces personnes. Et ma façon de faire aujourd'hui, c'est un choix. Et c'est une façon de trouver la bonne solution, sans qu'il y ait des pertes humaines, sans qu'il y ait de l'affrontement entre les Guinéens. Et j'ai opté vraiment pour faire un combat vraiment pacifique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je te remercie, mon frère. Merci pour le complément. On est ensemble et c'est réciproque. Capaz, n'importe quel moment, vous pouvez m'inviter. Je serai toujours là. Je vais répondre. Et je vais dire un mot aux abonnés. Toute personne, chaque fois, qui est touchée par mes propos et ma façon de faire, c'est Madik. Je ne peux pas faire le semblant. Je ne veux pas être dans la peau de quelqu'un. Madik, c'est Madik. On doit accepter Madik tel qu'il est. J'accepte tout un chacun tel qu'ils sont. Je te remercie, mon cher frère. Merci beaucoup et à la prochaine. Big respect. Ouais. Il y a une chose que tu n'as pas faite. Oui. Je vais changer de nom de famille pour être bas. Tu ne l'as pas fait. Mais puisque tu es mon Sanaku, je vais revenir chez toi ce jour-là quand tu vas venir dans ma page. Au lieu de Madik Kondé, tu vas être Mamadou Ba en venant chez moi. Oui, quelqu'un m'a dit que Tola est bon en histoire. Il faut dire aux abonnés, c'est moi qui forme Tola en histoire. Et puis je leur dis qu'il vous dit de l'histoire. Il n'y a pas de problème. On est la ensemble. La prochaine fois, je vais lui lancer un défi. Merci, mon ami. Il n'y a aucun problème. Allez, à la prochaine. On est ensemble.